c'est pour... Ah, appelle-la. Wesh. Appelle ton écran. Mais il est taré, lui. Hey, envolez-vous tous les deux et renforcez votre lien. Tu m'as pris au dépourvu, mon ref. Titine, c'est ma petite Titine. One, two, who well. J'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain de ma première session, donc ma session découverte sur ce jeu. C'était cool, au point que j'y rejoue, et aussi parce que j'avais envie de voler, t'as capté, bref. Aujourd'hui, il y a d'autres cheats. Non, mais vraiment, c'est incroyable. Là, je vais découvrir en même temps que vous le saut illimité. Est-ce que ça rend bien? Là, je vois pas de saut illimité. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Là, bah, j'ai un gros problème, là. Bon, bah, malheureusement, ça marche pas, le truc illimité, tu vois. Mais, par contre... frère, les sauts. Oh là, doucement. Wouah, frère, on dirait c'est Hulk. J'ai juré. Et on peut... J'ai oublié ces foutus œufs, là, ou je sais pas quoi. Bon, c'est où qu'on doit partir? Oh là là, là, je me sens puissant, les frères. On est dans la jungle. On est fort, regarde comment on saute. Oh, c'est comme ça que moi je m'imaginais sauter, mon ref. Mais oui! Attends, si je peux augmenter encore plus la vitesse, ça va être quoi? Vitesse de déplacement, c'est du x10 là. Pas encore plus là? J'ai peur que ça crache là quand même. Ah, mais ça me rappelle à l'ancienne, il y avait des. Comment ça s'appelle? Oh, j'ai mis x55, mais est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Ouais, j'ai l'impression. On va vite là quand même. Wesh! Ah, c'est dingue! Ah, c'est vraiment dingue! Je sais même plus où est-ce que je vais là. C'est où? T'es mal au giga saut que je vais taper. Yeah. Est-ce qu'ils m'ont vu ou pas? Mais est-ce que je suis tranquille? En vrai, ils sont juste là, frère. Voilà! Attends, deux secondes, je vais faire des dingueries. C'est plus le même jeu, frère. Ah ah! Tu faisais le malin. Attends, ça, c'est quel genre de truc? Ok, c'est pas ça. Voilà, change, si tu veux bien. Hop. Ah, j'ai oublié! Voilà! J'allais l'éclater, lui, alors qu'il n'avait rien à voir à l'histoire. L'arbre. Est-ce qu'il m'a provoqué, l'arbre? Non, je pense pas. Est-ce qu'il y a un truc à récupérer ou pas? Je crois que c'est juste des ressources, peut-être. Un truc comme ça. Il disait, ouais, t'as vu, on est au-dessus des minerais, blablabla. Ouais, du coup, c'est là. Mais ouais, j'ai l'impression que la vitesse de déplacement... Ah! Elle a arrêté de changer à partir d'un certain niveau. Je sais pas lequel. Nous écriverons ces sauts doutés, avec Itou de nouveau à nos côtés. S'il te plaît, ne prends pas de risques. Trouve-le et ramène-le. Je veux t'aider. Ou me surveiller. Et Toua t'envoie. Elle veut s'assurer que je ne vais pas dire à Katnat qu'elle désobéit. Et toi, s'inquiète seulement pour Itou. Une vraie Sarentu. Toujours diplomate. Je l'espère. Un jour, peut-être. Peut-être aurons-nous besoin de ta diplomatie. Nous ne sommes pas des guerriers. Et j'ai peur que nous soyons allés trop loin. Que s'est-il passé? Ceux qui viennent du ciel se rapprochent. Alors nous les repoussons. C'est moi qui viens du ciel, seulement wesh. Seulement nous trois. Avec les cheats. Pour que Katnat ne s'aperçoive de rien. D'habitude, tout se passe bien. Très bien, même. Nous rentrons à la maison, nous célébrons. Mais cette fois, Itou n'est pas revenu. Il a besoin de moi. Je dois y aller. Laisse-moi t'accompagner. Je vais refaire notre parcours. C'est trop loin sans Ikran. Je peux le chercher. Zomé et lui sont peut-être plus proches que tu ne le penses. Peut-être. Il a un refuge près des colonnes de pierre, plus bas. Cherche une grotte au pied de la falaise. Prépare ton équipement avant de partir. Ceux qui viennent du ciel se déplacent en meute. Et utilisent les grosses feuilles pour amortir ta chute. Utilise les cheats. Ok. Ça marche. Et toi, devrais agir comme une taille. Hop. C'est par où cette histoire Ne sais pas où. Oh, c'est beau ce que tu fais, toi. Vas-y. Moi, ça me relaxe, ce genre de truc. Nous ne pouvons pas ignorer la guerre. Oh là là, frère, toi, tu casses le délire, hein, vraiment. Du coup, ouais, comme je disais, malheureusement, à partir d'un certain... Ah!
Mais wesh, attends, on peut atterrir sur les... Ah oui. Ah oui, les feuilles, oui, c'est magnifique. Hop, 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 hop. Du coup, je disais, ça arrête d'évoluer à partir d'un certain niveau. Genre, je sais pas, je crois que ça s'est arrêté au bout de x6, la vitesse de déplacement. Et après, c'est tout. Mais par contre, les sauts... Waouh. Non, les sauts, c'est dingue. Et je te jure, je me sens comme dans un film d'animation, là. C'est incroyable. Par contre, à chaque fois que je veux faire un saut normal, du coup, ben, je suis obligé de baisser ça. Je suis niveau 58. Au niveau de la hauteur de saut. Fois 58. Arrête d'être aussi tendu. Vous m'avez entendu, là ? C'est pas mal, ça. C'est la troisième attaque de Navi de cette rotation. Alors oui, je suis tendu. Hop, 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 hop. Je vais leur tomber sur la figure. C'était un peu raté, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est... Mais non, c'est pas le bon truc. J'aime pas ça. Il est risqué là même. Ouh. T'es mignon toi. Ou mignonne. Moi je pense que c'était un mignon. C'est des petits Oompa Loompa, frère, je te jure. Nous, on est géants à côté. Alors, la cachette dit tout se trouve en bas de la colline, au nord du... Bah oui, c'est là où je suis, non? Là, tu penses que c'est là? Oh. C'est probable. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment c'est l'enquête? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop, 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 hop. Alors, à toi de me dire, il y a des petits trucs là, par terre, liés à l'indice. Je ne pense pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non. Non. C'est alors... Itou est venu ici. Quelqu'un ou quelque chose l'a interrompu avant son repas. C'est les méchants méchants. Alors ça, c'est juste pour fouiller. Ouais, c'est pour ma poire, t'as capté. Et c'est quoi? La bride d'un Ikran. Le cuir a cédé. Oh. Mais comment? Ok. Là, c'est quoi ça? Un Ikran s'est battu ici. Sa bride a lâché dans la lutte. Il est sorti en grimpant. Est-ce que je peux aller sur ses traces? Et ça, du coup? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un Navi a combattu la RDA. J'avais pas vu il ça. S'en sortait bien, jusqu'à ce que son arc se brise. Il a dû s'enfuir. Itou a atterri avec son Ikran, Zomé. Ils ont combattu la RDA. Ils ont été piégés dans cette caverne. Dans la Zomé. Ils sont parvenus à s'enfuir. C'est du sang d'Ikran? Je peux suivre sa trace. Oui, tu as capté. Est-ce que ça veut dire que on va récupérer un Ikran ou... Du coup, j'ai un peu baissé la vitesse, enfin la hauteur du saut. La RDA. Je dois me dépêcher. T'inquiète. Hop, 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 hop. Alors même sans être abusé, on est quand même sur du x13, tu vois. Ce qui est pas mal quand même, ouais, je vais m'en dire. Alors j'ai dit, bon, pas mal, après, moi, je vais pas me plaindre. Après, tu vois, c'est bien. Après, tu vas bien, t'as capté. Alors, on est où là? Alors, on est bien sur la bonne route, les frères. Hop, 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 hop. J'ai perdu sa trace. Non, on l'a retrouvé. Ah bah non, on l'a perdu. Merde. Eh, mais c'est du hors-sujet, ça, là. Hein. Oh, ça va pas, toi? Avec ton énorme fiac. Ne me dis pas que je dois me battre contre eux, là. C'est pas possible. Ah. Là, ça re-emmène. En fait, ça me fait tourner en rond, cette histoire, ou c'est comment? Wesh, ça va dans tous les sens. Wesh, c'est quoi, ça? Pourquoi il y a tout ça, là? C'est pas normal! Wesh! Mais c'est normal! Oh, c'est pas mal, ça, j'aime bien. Ah, ça va là-bas? Mais j'espère que c'est des vraies pistes, ça, aussi. Mais ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Ça va être galère, et ça s'arrête. La piste, elle s'arrête. Faut trouver une piste qui ne s'arrête pas, hein. Peut-être par là-bas. Arrêtez. Comme par hasard, là, c'est infesté, mon ref. N'importe quoi. Bon, on va essayer de trouver ça. Là, ça va vers là. Je crois que là, on avance un petit peu. Mais ouais, comme par hasard, il y en a partout, là, des... Oh! Wesh! J'ai sauté de fou. On dirait champignon de Fortnite. Oh, c'est beau. Ils vont la tuer si je fais rien. Mais wesh! Il y a trop de choses qui se passent là. Il y a des gens là?
Ah bah oui. C'est normal, je vois flou là, un peu. Oh! Qu'est-ce qu'elle est belle! Ils sont très méchants. Alors là, si ça continue, je te jure, je vais sortir... Ils sont où les autres? Oh non. C'est fou d'être comme ça, frère. Vas-y, éclate-moi ça! J'ai envie de les détruire, frère. Ah, je vais le détruire. Il va tomber, il va tomber, il va... Il va pas tomber, les frères! J'ai pas eu de chance. C'est quoi, ça? C'est juste une plante? Il y a encore quelque chose aux alentours? Oui, ils sont où? Oh, les liens, ils me tirent dessus. Ouais, c'est les 5 étoiles GTA ou quoi? Voilà, cher. Attends, attends, si j'en vois un autre, je te jure, il va prendre cher. You take this! In your face! Alors là, si j'arrive à la... Ah, dommage. Tu vas la prendre, ta raclée. Voilà. Y'a quoi d'autre? Y'a quoi d'autre? Oh, la visibilité est un petit peu réduite, là. Hein, parce qu'il se passe beaucoup de choses, là, aux alentours. Si elle a du... Ça y est? Oh, elle est en train de cramer, frère. C'est qui dit ça, frère? Alors déjà, j'ai une crâne. Eh, mais elle était où? Wesh! Bon! Faut que j'ouvre ici, là. Ah ouais, j'en ai bien l'impression. Eh, laissez-moi sortir! Bah, je veux bien... Itou, c'est moi, ton apprentie chasseuse. Lorenzo, comment m'as-tu retrouvé? Itou m'a envoyé t'aider. Au moins, tu as mis en pratique mes conseils. Fais-moi sortir d'ici. La porte est coincée. Attends, je vais essayer de l'ouvrir. Comment tu comptes t'y prendre? Peut-être que va falloir tout détruire, mon ami. Oh! T'es là, toi? T'inquiète, t'inquiète. Doucement. Calme. Voilà, voilà, voilà. On va essayer d'avancer. Voilà. Hey! Hey! Bon, j'ai capté, il faut que je répare ça. C'est bon? Dépêche-toi, ça ne marche toujours pas. Merde. Ah bah, faut que je trouve une autre solution, là, manifestement. Alors, je vais devoir jouer technicien free, là. Ok, il y a un autre truc en bas, là, mais faut que je fasse un truc ici, là. Parfait, voilà. Je devrais pouvoir entrer maintenant. Oui, 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 d'accord. Par là? Je crois que c'est bon. I'm a big technician, hein, c'est... J'ai jamais vu. Ah mince! C'est mon micro qui déconne, désolé. Itou! Désolé, hey, mon micro il déconne, ouais. Ça m'arrive. Des fois. Cet oiseau nous a pris au piège. Je suis désolée. J'essayais de te faire sortir. Mon écrane, Zomel, est-elle... Elle va bien. Elle m'a aidé à repousser la RDA. Les Sotoutés nous ont séparés. Et m'ont piégé ici. Je les entendais l'attaquer. Et rire de ses souffrances. Ils tuent pour le plaisir. Nous devons sortir d'ici, avant que les renforts arrivent. Oh, oh. Il faut que je la rejoigne. Je sais. Oh, oh. Oh, oh, oh. Is that Freddy Fazbear? J'ai trompé de jeu, les frères. J'essaie d'ouvrir ces mâchoires métalliques au sol, mais je n'y arrive pas. Les flammes, recule! C'est pas vrai! Il faut que j'arrive à ouvrir ces portes. Alors, va falloir faire appel à mes talents de hacker. De hackeuse. Merde, 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 merde. Mais alors, c'est quoi ça? Pas par là. It's a dead end. Barabara pépé parapou pam pam pam. Il faut attendre. Maintenant je passe comme ça. Barababi. Ça y est! Ça devrait marcher! Il est temps de sortir d'ici. Wesh! Mais on était en train de cramer là! Incroyable ça!
Et c'est quand que... Hein? Parce que bon, c'est bien beau tout ça. Ah, on est dans l'eau. Vas-y! Vas-y, l'ami, vas-y! Parlez à Itou sur la rive, près du site de crash. Eh ben, il est où le frérot? Parce que moi, j'étais là, après, il est plus là. On me demandait... Ah, il est là. Voilà. Est-ce que ça va? Nous avons échappé d'Arien à l'oiseau de métal, Sarento. Il faut frôler la mort pour ressentir la vie. C'est pas passé loin. Je te remercie, Elanai. C'est Zomé qui nous a sauvés. Elle doit être une légende parmi les Iklan. Ensemble, rien ne nous effraie. J'ai vu ce monstre de métal lui tirer dessus pendant qu'elle le déchiquetait. Je vais aller raconter à Etoua ce qu'elle a manqué. Itou, tu es blessé. Laisse-moi t'aider. Ce n'est rien. Je vais appeler Zomei et repartir. C'est comme ça que t'appelles? Bah moi aussi, je veux bien. Je n'aurais jamais dû la laisser. Elle est seule et blessée. Elle ne peut pas être bien loin. Zomei est forte et courageuse. On va la trouver, ensemble. Il le faut. Tu n'as pas encore de lien, Sarento. Tu ne peux pas comprendre. Parle-moi. Ce lien est unique. Tu voles et penses à l'unisson. J'espère connaître un jour le même lien qui t'unit à Zomé. Bah oui. Je te le souhaite très sincèrement. Un jour, aujourd'hui. Je crois que je l'ai entendu. Par ici. Je vais te la voler, frère. Comment est-ce que tu l'as choisi? C'est elle qui m'a choisi. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Elle m'a fait confiance. Je ne peux pas la perdre maintenant. Ça doit être ça, ouais. Bah après, techniquement, si tu pars, ça fait une monture. On devrait s'arrêter. Pour non. Moi quoi. Zomé a besoin de moi. Désolé, je baisse juste la vitesse. Continue de la chercher. Retrouve sa piste. Je te rejoins. Ouais. Pister Zomé pour la trouver près du site de crash. À côté de la Zomé. Ah ben. Bah. C'est toi là. Zomé. Bah alors Zomé, qu'est-ce que... Oh, on dirait qu'elle est mal. Ah oui, parce qu'elle a dit elle est blessée. Aïe! Mince. Je suis là, t'inquiète pas. Itou, viens vite! Je l'ai trouvé! Oh, Mskina. Elle fait de la peine un peu là. Elle est partie loin de la zone. Oh. Zomé! Mais qu'est-ce que ces sauvages t'ont fait, ma belle? Je suis là maintenant. Mais non, elle va mourir. Merde. Laisse-moi partager ta douleur, Zomé. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi me connecter avec nous elle. Nous devons rentrer, Zomé. Tu dois te battre afin que nous rentrions ensemble. Allez, bats-toi. Tu dois te tenir. Non, non, non. Ne me laisse pas. Non, 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 non. Reste. Non, 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 non. Pardonne-moi. Mais on peut la sauver, n'est-ce pas? Retourne auprès d'Ewa. Non, frère. Nous volerons à nouveau de l'autre côté. Miskina. Ça me dégoûte, man. Être comme ça, ça me dégoûte. Ouais, je l'ai dit. Ouais. Je suis arrivée trop tard, Itou. Ouais. Je suis désolée. Est-ce que je peux faire quelque chose? Va dire à Etoua et Vefilo que je vais bien, grâce à toi. Le dernier vol de Zomei doit être honoré. Peut-être le ferons-nous ensemble à mon retour à l'arbre maison. Je vais te laisser seule. Il faut laisser Itou faire son deuil. Bon. La mère, je dois dégager, quoi, ça veut dire. C'est une dinguerie, ça. Je suis vraiment allé me faire voir, les frères. C'est un truc de fou, ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais frère, j'ai pas quitté le site du crash encore. Il y a un endroit où partir, ou bien... Il me dit juste, Roya, tu dégages.
Ouais, c'était ça. Bon. Bah, c'était émouvant. Alors. On doit rentrer à l'arbre maison, là. Ou c'est comment? Hein, faut que j'aille là, moi, non? Pour avoir une compétence ancêtre. Ah, c'est ça, tout ça, là, c'est des compétences ancêtres. Atterrissage en douceur. Hein, ça, c'est quoi? Connexion profonde. Ah, mais ça, c'est avec... Hein, mais moi, je veux le bail où tu fais sortir les méchants, t'as capté? Mais pour ça, il faut explorer. Hein, au Christrident. Ouah, je viens de capter, en fait, le bail. Moi, je pensais qu'il fallait revenir au même endroit, en fait, pour s'améliorer, mais non, il faut explorer. Et après, il y a des endroits où tu vas trouver, en fait, les bails, si tu as capté. Bon, voilà, c'est pas mal. On a le voyage rapide, ça fait gagner un peu de temps, même si c'est bon. Mais du coup, pas mal, le cheat, il fonctionne. Mais il pourrait mieux fonctionner au niveau de la vitesse de déplacement, tout ça, t'as capté. Bon, il faut partir au sommet de l'arbre maison. Mais de quel clan? Je suis inquiète. Tu entends des bribes de conversation, c'est marrant. Tu es de quel clan? Je suis inquiète. Pardon. Je cherchais et toi. Et toi? Non, ne pars pas. Reste avec moi un moment. Ouais. J'ai laissé parler ma peur et ma colère. Ah, il était énervé. Et j'ai déshonoré ton chagrin. Oui, c'est vrai. Même si elle a rejoint Eiwa, t'as mal le parlé. Souvenir de ma douce Asae me rappelle tout ce qui nous a été enlevé. Sa sagesse et sa bonté restent en nous et en Eiwa. Je vous vois, toi et Eiwa, suivre le même chemin, un chemin qui l'éloigne de moi. Elle est comme sa mère, impétueuse et obstinée. Elle est l'intrépide Navi que j'aimerais devenir un jour. J'ai tenu Asae dans mes bras quand elle est morte. Elle était intrépide, elle aussi. Là où tu vois un risque nécessaire, je ne vois que guerre et désolation. Mon peuple a déjà tellement perdu. Mais si tu fuis le combat, tu risques de tout perdre. Un instant, nous avons cru voir l'esprit pacifiste des Sarentu en toi. Mais il semble avoir péri avec eux. Je vais aller voir Eiwa. Eiwa, tu vas faire quoi? C'est en haut, il me semble, parce que ça disait au sommet. Au sommet! Ah non, ça dit elle devrait être juste devant l'arbre maison. À côté d'un arbre au Notre nord-est. Destin ne tient pas qu'à un... Raconte pas ta life, s'il te plaît. On sait que c'est de ma faute. Alors? Voilà le retour de notre héroïque Sarentu. Ouais! Tes ancêtres doivent être fiers. Ouais. Les chasseurs m'ont informé de la triste mort de Zomei. Ceux qui viennent du ciel ne respectent ni la vie, ni la beauté. C'est des connards. Ils sont responsables pour les Kinglor. Ouais. J'en suis sûr. Qu'y a-t-il? Lorsque ta mère avait ce regard, ça se finissait mal. Lis-toi, leur reine. Elle te montrera ce qui l'a fait souffrir. J'ai essayé, mais je n'ai pas compris ce que j'ai vu. Et si elle me rejette? Je tiens plus des humains que des Navi. Tu es les deux. C'est ça qui fait ta force. C'est pour ça que ça doit être toi. Ton père risque de nous bannir s'il l'apprend. Je sais qu'il a peur pour nous, Nefika. Mais si nous ne faisons rien, il n'aura plus rien à protéger. Le clair de lumière est parfait pour un rendez-vous en toute discrétion. Oui. J'y escorterai la reine des Kinglor. Apaise ton regard, ma Yantu. Tout ira bien. Une simple piqûre. Et quand tu te réveilleras, nous te donnerons un Nictsiei de nectar. Une piqûre? Ce n'est rien. Le Nictsiei de nectar te remettra sur pied. Tous ceux qui demandent des visions à la reine des Kinglor doivent récupérer du nectar avant le rituel. Rassure-toi, tu es plus Navi que tu ne le crois. Allez, file! Je dois aller faire ma cueillette. C'est ça qui va me dire. Repérer les éléments récoltables. Récolter du nectar d'une ruche des marais pour préparer des nuxtiens pour le rituel avec la reine des Kinglor. Utilise le guide des chasseurs et la carte pour trouver. C'est ça qu'il faut. Alvéole de nectar des marais convenable. Ah, en plus, ils font des manières. Ça veut dire. Faut qu'ils soient convenables, forcément. Bonjour! Qui est là? Oh non. Toujours me parler.
Allez, je suis Hulk. Ha ! Hop, 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 hop. J'ai envie de rigoler un peu, on va mettre ça très fort. J'ai fait à 93 x 93. Wesh ! Oh la dinguerie. Oui, bah... Oh ! Ah bah oui. Ah bah oui, là, c'est énorme. Mais j'aime trop cette sensation, je te jure. Ouh, aïe ! Wesh, je suis sur l'arbre bizarre, là. Mais ça, c'est des hauteurs que normalement tu atteins que si... T'as un oiseau sur Watt, si t'as capté. Attends, on va essayer de... Oh là là, eh, c'est trop beau en vrai. J'aimerais bien pouvoir planer. C'est bon, on est dans Fortnite. Ah, hey, un jumpscare. Wow. Oh non, encore des méchants. Je vais leur tomber sur la figure, ils vont voir. Oui, c'est quoi ça? Trop stylé. Inspecter. Bah oui, je sais pas ce que c'est que ça. Écailleux tortillé. Bah ok, c'est bien ça. Mais je te jure, on dirait une fusillade de gang, pardon. Hop, 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 hop. J'ai quoi à leur balancer là? Voilà. Ouais, t'es content? Je l'ai eu normalement, non? Voilà, je l'ai pas eu. Ah, c'est trop lourd. Miskin, libérez-le. Tu pars! Ben oui, mon ref. Tu es très fort. C'est bien. Voilà. Il y a quelque temps, je chassais tes semblables, mais là, je te sauve. T'as vu, je suis un mec gentil. Ah oui, je peux être gentil, je peux être méchant. Bah ouais. Alors, je vais encore sauter, je décolle. Oh, mais c'est dingue. C'est que le saut, je peux encore le faire beaucoup plus haut que ça. Vraiment, attends, je vais tenter. J'ai juré, j'ai fait x 166. Mais je sais pas à quoi m'attendre, les frères. Je sais plus où est le truc. Est-ce que ça marche vraiment, tu penses, ou... Je pense que c'est quand même plus haut. Hein. Oh là 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 là. Comment c'est... Aïe! On dirait qu'il n'y avait pas de collision, frère. Attends, il y a de la collision ici? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! Oh, il y avait de la collision! Mais je l'ai raté. Ah, mais c'est tout éclaté ici, frère. Mais ils sont partout, frère! Waouh! J'aime trop sauter comme ça, comme un fou. Je suis derrière toi, Alhamar. Voilà, je nous balance des trucs. Même là où c'est pas nécessaire. J'aimerais trop qu'il y ait une capacité pour les porter, j'ai juré. Ça serait vraiment le comble, le truc qui manque pour l'instant au gameplay. Alors, il reste encore des gens. Ah non, il reste personne. Il n'y avait rien à récupérer ou aider ici. Les rays, si vous kiffez les cheats, vous me le dites. C'est pas moi qui les ai créés, mais vous mettez un like quand même. Ok, c'est ici. Ouh. Ah, c'était pas satisfaisant. Je peux rien faire avec cette pollution. Priya pourrait peut-être m'aider. Hé, hey, Priya. Bonne meuf. Oh, merde. Quoi? J'ai renversé mon café. Enfin, la boisson, on fait passer pour du café. Ouais, ouais. J'ai atteint une partie de la... On a niqué le dialogue, frère. Ouh. Pardon. On en était où? Ouais, ouais. J'ai atteint une partie de la forêt qui est très polluée. Ça m'empêche d'aller chercher le nectar dont j'ai besoin. D'accord. Ça me fume. Je vais aller voir ça. Zama, ça se dépollue. Le jeu est trop beau, sa grand-mère. Oh, waouh!
c'est bien, mais ça serait bien que ce soit plus en longueur, si tu vois ce que je veux dire. Je vois des tours et des silos. On dirait une exploitation gazière. Tu as deviné ce qu'il doit y avoir dans les silos ? Hop, 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 hop. On fait tirer dessus ! Merde ! C'est eux qui ont commencé à me tirer dessus, littéralement. Je l'ai même pas bien visé, c'est quoi cette dinguerie, frère? Il est mort. Il reste encore lui là. Normalement, je l'ai bien visé. Ah, il était mort avant même que j'atterrisse, c'est fou ça. Attends, hey, ça serait dingue si j'atterrissais en faisant une attaque. Ah, on peut tirer sur leur truc derrière là. On dirait que c'est vraiment des points faibles. Hey, je l'ai tué avant qu'ils rejoignent le truc. Non, personne ne leur a tué. Ah, ça m'a rejeté carrément, frère. Attends, faut que je remette ça, là. Renfort. Est-ce que j'ai réussi à les toucher ou non? Ah oui. Mais attends, mais ça, c'est pas le bon truc. Attends. Je vais sauter sur le vaisseau, frère. On va voir. Emmène-moi où tu veux, mon petit pote. Wesh! Je suis littéralement dessus. Normalement, là, il est mort. Non? Wesh! Mais il a eu trop de chance. J'ai juré, il a eu trop de chance. Normalement, il devait être mort. Eh, mais le gameplay, il va dans tous les sens sur la chaîne. Je suis pas censé voler... aussi haut que ça, enfin, j'ai surtout pas besoin. C'est quoi ça? Je pensais qu'on pouvait récupérer un balle. Arrêtez, wesh! Putain, il y a des méchants partout, c'est fou ça. Je les vise de haut. Et on a vraiment une vue d'ensemble incroyable. Je veux bien avoir un minigun. Je crois qu'après, on pourra avoir un shotgun. Mais je sais pas où est-ce qu'on pourra le débloquer. C'est la question. Oh, mais reste des petits ennemis. C'est bon ou c'est pas bon là? Il reste encore, on dirait des... C'est une tourelle ça? On dirait une tourelle. Wow, j'ai atterri en même temps que l'explosion. Incroyable. Vous savez, j'ai remarqué, c'est des mythos. Je les entends dire, je me suis fait tirer dessus. Mais souvent, c'est eux qui commencent à tirer dessus en premier, frère. C'est très grave de faire ça. Ok, donc là, on a un truc important. Parce que moi, j'ai fait que de déglinguer tout le monde. Alors qu'en vrai, il y a des sortes de points d'intérêt. Bon, j'ai baissé la hauteur du saut parce que... Ça devenait un peu n'importe quoi, mon petit ref. C'était pas là, frère? Ah bah si, c'est là. C'est juste là. Je crois que c'est encore une manivelle ou un truc. Ah! Un levier. Très intéressant. Ça va, la hauteur du saut, elle est... C'est bien réglé, là, tu vois. Avant, c'était un peu abusé, mais vas-y, c'était pour le délire. Pour le délire, c'est pas mal, quoi. Ok, ah, il y a ça, là. Attends. Pareil, levier. Et après, je crois que c'est bon. Ça va peut-être péter. Je vous gère le point de rendez-vous. Sponsorisé par Michael Bay. Plutôt réalisé par Michael Bay. Ah bah ça me rappelle Just Cause. Quand on voit les trucs exploser. Mais Zerma, ça va fleurir à nouveau. Ah ouais. Les méchants sont partis. Tout va de nouveau mieux. Enfin tout va mieux, bref. Voilà.
La forêt se régénère. Je dois trouver ce nectar. C'est quoi ça? On dirait des dingueries, ça. C'est Warzone? Mais alors? Ça fait des mois que je vois la qualité de l'air de Pandora se détériorer. Et là, ça s'améliore enfin. C'est pas non plus spectaculaire, mais c'est un bon début. Même il fait plus beau. Alhamdoulilah, ça fait plaisir, ça. J'ai trouvé quelque chose. On dirait une liste de soldats de la RDA et de leur lieu de travail. Oh, comme un registre de service. Bien joué, ça c'est de l'efficacité. C'est... Oh, quoi? Attends deux secondes. Tu veux quoi? Bon, cela qui est intéressé. Du genre super intéressé. Tu pourrais lui montrer quand tu reviens? Ok. Paparapapapipoup. En vrai, ça va. Heureusement qu'on peut pas aller beaucoup plus vite, sinon j'aurais abusé du truc. Mais il suffit d'une mise à jour de cheat pour que ce soit de nouveau possible. Parce que moi, j'aurais voulu plus de mouvement horizontal. Tu vois, plus de vitesse horizontale. Un peu plus de hauteur verticale. Bref, tout ce qu'on aime, quoi, tu vois. Pas besoin de gueuler comme ça, quand même. Alors... Non, quand même, s'il vous plaît, ne tapez pas. Alors, ça c'est quoi? Sylvestre, il s'appelle, hein. Bien vu. Ce serait pas ça par hasard? Non? On dirait que c'est ça. Il faut que je puisse... Ah, voilà. Ah, mais attends, j'avais déjà récupéré ça un jour. Non? Là, c'est dans ce sens. Je l'ai. Ou pas. Je sais pas si j'avais déjà récupéré, mais il me semble que j'avais un truc similaire. Étrange comment? Eh ben, je fais un peu de maintenance. Le système de filtration est de... Je te rappelle. Wesh! Je me faisais agresser par des petits trucs. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Il faut que je bouge un peu. Ok. Où en étions-nous? Eh ben, je fais un peu de maintenance. Le système de filtration me donne du fil à retordre. T'as vu que quand... Priya, le truc étrange. Oh là là, on saura jamais, ça y est, on est foutu, frère. On est foutu! En même temps, toujours elle m'appelle au mauvais moment, frère. Espérons que ça marche. L'espoir est la seule chose qu'il nous reste, Maya Antu. As-tu apporté le nectar? Tiens, nectar zbel. C'est tout ce qu'ils veulent, hein. C'est tout ce qu'ils veulent de moi, rien d'autre. Eiwa nous a apporté le cas. Ça ne va pas durer longtemps si Kanat découvre notre plan. Ça va faire mal? Non. Eiwa, nous accueillons ton étreinte chaleureuse. Ah bon. Et nous nous lions à tout être vivant à travers toi. Eiwa, c'est quoi ce papillon de merde là? Guide son esprit. Et emmène-le jusqu'au cœur du... Oh! Oh! Mais j'avais pas vu! Mais il enfonce sa queue dans ma queue! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je suis un petit papillon, sa grand-mère! C'est quoi? Oh, la reine. Ouais. À l'arbre maison. Est-ce que c'est normal que je me déplace aussi vite? Elle essaie de me montrer quelque chose. Je crois que c'est à cause du cheat. Ah, waouh. Waouh. Ça me rappelle le jeu B-Simulator. Elle veut rassembler les Kinglore. Ils sont affamés. La reine les guide vers des fleurs. Pour oh les là mourir. Là, là, là. Masterclass, les gars, masterclass. Je veux aller là, c'est possible ou pas? J'ai envie que les trucs ils fassent. T'as capté? Mais wesh! Bande de chiens enragés! J'en reviens pas! On peut nager sous l'eau ou pas quand on est une petite. Non, que j'ai capté. Il y a des méchants là-bas, mais on s'en bat les couilles un peu. Où est-ce qu'elle veut nous emmener? Je dis, ben, mais on va découvrir ma petite gueule. Oh, c'est là où je dois partir, non? Ça m'en a tout ouvert, non? Je croyais parce que bah, y a tout un tas de trucs ici, donc je disais là où doit partir, mais apparemment c'est pas ça. Ah, c'est par là le chemin. Attends, à l'horizon, elle voit une installation de la RDA. Mais
Elle ignore ce que c'est. Wesh. Gigabâtiment. La reine veut trouver d'autres fleurs pour nourrir les Kinglors. Les vagues d'énergie la perturbent. Elle le sent. L'essaim est agité. Elle est confuse. Alors, elle continue de voler. Elle se dit, il se passe des choses dans ce corrompu monde corrompu. It's the corrupt world. Oh là 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 là, regarde-moi ces graphismes. Ah, oh, wow! Je sens pardon. Quelque chose. Une vague d'énergie. Violente. La reine. Elle est doit trouver les autres Kinglors. Elle doit les protéger. Une vague d'énergie. Elle ferme les fleurs dont ils se nourrissent. Les Kinglors ont faim. Ils sont angoissés. Les ballons. La vague vient des ballons. Putain, c'est toujours la faute des ballons. Elle repousse les Kinglors. Ils sont confus et perdus. Elle ne sait pas comment s'en débarrasser. La reine voit l'ombre qui plane, qui menace les saints. Elle me montre les autres ballons. Une installation de la RDA. Elle envoie un signal aux ballons. Les Kinglors sont faibles. La reine doit se dépêcher et trouver un endroit sûr avant que les saints ne meurent. Bah, on essaye, hein, mais tout à l'heure, tu parles. S'éloigner des ballons. Bah oui, les ballons. Jamais les ballons, les rays. Jamais. Jamais, rappelez-vous ça. À gauche ou à droite, à gauche ou à droite, à gauche. Merde, ils sont plus avec moi. Oulala. Il y a du vent. Et j'ai du mal à contrôler où est-ce que je pars. Oh là là. Non mais le niveau était trop beau. C'était trop beau, frère. So beautiful, goddammit. A fuck of that, man. Amazing. N'empêche qu'il fait peur, l'insecte, là. Un animal insecte bizarre, hein, un mammifère volant, chelou, t'as capté, bref. En tout, je pense que ça va. Mange ça. Tu as fait un long voyage. Que t'a montré la reine des Kinglors? Des trucs j'ai bizarres. Vu la base des humains dominant la forêt. Elle envoie un signal aux appareils volants. C'est ça qui perturbe les fleurs et empêche les Kinglors de se nourrir. C'est pour ça qu'ils ont dû se réfugier dans l'arbre maison. Mais le problème, c'est qu'on ne peut atteindre ces appareils que depuis les airs. Je vais abattre ces appareils volants jusqu'au dernier. Abattre l'ennemi. Ça ne suffira pas. Le signal vient d'une base de ceux qui viennent du ciel, près des colonnes de pierre. Mais je crois savoir comment désactiver les capteurs de ces appareils. Alors tu vas devoir voler avec nous. Il te faudra un Ikran. Voilà. Un Ikran est un honneur que seul Ka'Nath peut accorder. Ouais. Et il refusera. Eh ben, il acceptera. Les Kinglors ont montré que les Sotoutés étaient à l'origine de tout cela. Voilà. Il sera forcé d'écouter. Mm-hmm. Je vais rassembler les chasseurs. Leurs arcs nous aideront à sauver les Kinglors. Mm-hmm. Nefika te retrouvera à l'entrée de la volière. Il est temps de prendre ton envol, Ma'Lantu. Je vais ramener Itu. Ça lui fera du bien de te voir enfin te lier. Nous nous retrouverons en hauteur près de la volière. Nos flèches seront implacables quand nous attaquerons ceux qui viennent du ciel. Et si je n'arrive pas à faire le lien? Ton honneur ne sera pas perdu, Ma'Lantu. On chantera l'histoire de l'Ikran qui t'a fait tomber de la volière. Tu dois d'abord... Elle aime bien rigoler, elle. Hein. Elle te préparera c'est à fou. Trouver ton Ikran. Vraiment, c'est fou, ça. Ok. C'est quoi Arbre des Voix, ça? Métis 10? Ah. Je me suis connecté. Spécialité culinaire. Et je me déplace rapidement. Déjà, j'ai pas besoin de votre Ikran. Si, je veux bien.
Regarde comment on saute. Oh frère, Tema. Fortnite. Eh ben après presque 3 heures, hein. Presque 3 heures de jeu. Ah, on va pouvoir voler, mon ref. Ben enfin. En vrai, on peut améliorer les armes aussi. C'est pas trop mal, hein. Parce qu'en fait, ouais, j'étais juste revenu vite fait à la base pour voir des trucs. Mais bon, rien de bien spécial. Je pense qu'on va aller ici, hein. Non, en fait, c'est plus vers là-bas. Moi, je pensais que c'était vers la maison. Mais bref, en vrai, ça nous a rapprochés malgré tout. J'ai hâte de voler, les reilles. Ça va être magnifique. En attendant, on va faire des petits... Des petits, t'as capté, hein. Ouais, regarde-moi ça. C'est énorme. Je sais pas si on est déjà passé par là. C'est... Enfin, j'allais dire un de ces quatre. Bref, dernièrement. Dernièrement, on est passé par là ou pas? Je ne sais plus. Oh, c'est stylé. Bah si. Mais wesh, qu'est-ce qu'ils foutent là, vous? Qu'est-ce qu'ils foutent là, vous? C'est incroyable comment je parle, frère. T'as capté? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Je me suis dit, c'est un ancien truc désaffecté. Tiens, approche-toi. Zbel. Mais il était tout seul. Mais qu'est-ce qu'il protégeait, lui? Alors, pièces détachées. Wesh, tout ça pour des pièces détachées? C'est trop bizarre. Mais ouais. Mais du coup, ouais, je sais pas si c'est un truc ancien qu'on avait déjà fait. Non, je sais pas. Hein, c'est quoi ça? Santé accrue définitivement. Dès que je l'ai touché. C'est incroyable. Bah, ça a l'air d'être un truc. Dès que tu le sens, tu vas achoum ta grand-mère. Mais bon, apparemment, ça t'aide au niveau de ta santé. D'accord, si tu veux. Juste envie de sauter avec vous, ça. Ah, laisse-moi passer, s'il te plaît, tronc d'arbre, sinon je vais m'énerver. Hé, hey, tu te déranges? Oh non, encore. Quoi? Vas-y. Toc-toc. Priya, qu'est-ce que tu fais? Bah, je dis toc-toc. Tu sais, tu dois dire qui est là? Comme si quelqu'un frappait à la porte. Ok, alors, toc-toc. Qui est là? Mais je sais que c'est toi. Mais non, écoute, joue le jeu. Toc-toc. Qui est là? Maintenant, tu dis Tofu? Tofu qui? Tofu quoi, là, à faire des blagues? T'as rien de mieux à faire? Est-ce que t'es parti? Je t'écoute. On t'a dit que cette blague est nulle. Mais c'est pas vrai, hein? Allez, j'ai besoin que tu me soutiennes. Elle est super, Priya. Ouais. C'est le meilleur jeu du toc-toc que j'ai jamais entendu. Waouh. Ouais. Bon, d'accord. Je vais lui dire que t'as dit ça. Attends. Elle m'a dérangé pour ça. Il le faut. J'aimerais rester dans la forêt un peu plus longtemps. Ouais, bah moi aussi je dois aller chercher le mien. Wesh. Parapapipou, parapapap. Mais je t'ai dit, la meuf elle aime juste te déranger. Bon, après ça rajoute un peu d'ambiance. C'est la meuf imbécile. Un peu fifou, elle est un peu fifole, t'as capté? Elle est un peu folle, la meuf. Elle fait des blagues et tout, elle est gênante. Waouh. Ah, ça se trouve juste là. Alors, on commence les reilles? Ah non, passer le temps, merde! Ne traînons pas dans les parages où nous allons nous faire prendre. Ah bah si. Je dois aller là? C'est pas dangereux? Crois-tu vraiment que je t'enverrai à la mort? Allons. Aie confiance, Mayanto. C'est ce que tu m'as dit avant que je me fasse piquer par le King Lord. Ah. Tiens. Ouais. J'utilisais ça avec Zomé. Puisses-tu tisser un lien comme le nôtre? Oh, et Mayanto. Nos chasseurs disent toujours, ne regarde pas en bas. Je te conseille fort d'écouter leur sagesse. Regardez, elle aime rigoler. L'autre aussi, elle aime rigoler, mais c'est pas pareil. On se déplace vite au moins. Vraiment vite. Des fois peut-être un peu trop vite, ça nous laisse pas le temps de profiter. J'aurais peut-être... Oh. Wesh! C'est gentil, mais je fais déjà ça en fait, par moi-même. C'est naturel, les reilles. Alors... C'est par où cette histoire? Oh! Mais wesh, qu'est-ce que je dois faire là? Je pense qu'on peut passer de l'autre côté là? C'est bizarre. Mais wesh, là je dois toucher là.
Ah, non, faut encore toucher autre part. C'est bon ? Merci ! Et je me disais que c'était bien ça. Hop là. Ouh ! Oh, le jeu est tellement kiffant, tellement beau, les rails. Merci Ubisoft. Hop, 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 ça pue, les rails. Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont comme ça, mais c'est sûrement mes pieds. J'aime bien toucher des trucs aux alentours comme ça. Alors, j'ai un peu peur de niquer la mission. Hein. Parce que là, je suis en train de sauter dans des endroits, hey, je sais même pas si je suis censé être là. C'est par où ensuite, là? Oh là là. Pourtant, j'ai été doucement pourtant. Mais comment? Comment es-tu monté si vite? J'ai passé mon enfance à grimper ces montagnes. Je les connais par cœur. Alors, tu sens mieux? Oui, mais mon esprit souffre encore. Tu fais un peu trop le mec, frère. Regarde comment je te dépasse. Waouh, de l'eau! Elle semble un peu nerveuse. C'est à elle de décider si elle te choisit. Mmh. Hey, nous nous sommes déjà rencontrés? Oula! Désolé, c'est la force des cheats. Aucun Ikran qui se respecte n'accepte la première fois. Ah bon? Continue, montre-lui que tu es digne d'elle. Je l'espère. Comment ça, qui se respecte, nanani nana. Il parle mal, lui, hein. Ça veut dire quoi? Si elle accepte le premier soir, ça veut dire c'est une chouin, Zama. C'est vraiment une mentalité de merde, ça, you know. Bon. Hey, Priya, tu ne devineras jamais où je suis en ce moment. Les Aranahe ne t'ont pas fait bouillir dans une de leurs cuves? Pas du tout. J'escalade la volière des Ikran. Pour être choisie. Du moins, je l'espère. Super haut, non? T'as pas peur? Tu m'aides pas vraiment là. Tu dois en parler à Nor. Il va adorer ça. Attends, je dois prendre un marchepied. C'est par où sinon? Parce que moi j'ai bien envie de jump par là. Ok, c'est par là. Ah bah, je savais, c'est juste que voilà. Est-ce que je joue avec le feu, Lichy? Parce que si on tombe d'ici... T'as capté. Alors... Encore une fois, je vais essayer de pas casser la mission, parce que sinon, moi, je peux... Hop! Hop. Il est où, là? L'Ikran. Oula! Ouh! J'ai peur. Oula. Oh, ça fait trop flipper, mon pof. Ok, moi, je voulais juste toucher ça, là. Juste parce que c'est satisfaisant visuellement. Voilà, y a pas de... Pas vraiment d'intérêt. Alors, il est où, le petit pote? Non, me dis pas que je dois monter encore fort. Je dois monter encore loin. Je suis pas venu ici pour rien, quoi. Faut que je retouche ça. Est-ce que ça va l'ouvrir, celui-là? Il y en a peut-être un autre que j'ai raté, en fait. Ah ouais, on dirait qu'il y a ça, là. Après, c'est bon. Tu veux bien t'ouvrir, s'il te plaît? Ah, merci, t'es très gentil. Oula, je vois rien. Qui a éteint la lumière? Waouh. Ah ah. Non, là, ce genre de musique, c'est là, je suis au ciné, les frères. Oh là 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 là. Je suis au ciné, sauf que je suis chez moi, là, devant le PC. C'est vrai. Tu m'as tué, Niklan. Nor. J'espère être choisi. Ce lien est pur. Vierge de tout contact humain. Mais nous, les Salento, sommes un peu trop humains. J'utilise même un instrument humain pour parler avec toi. Eh bien... Non! Qu'est-ce que je fais de mal? Elle ne te fait pas encore confiance. Continue. Ah, je l'ai repoussé. Elle récompensera peut-être tes efforts. Qui c'est qui me parle? Il est... Je commence à croire que j'y arriverai jamais. Elle se moque de toi. Tiens bon. Je finirai par la choper, frère. Elle fait un peu trop la meuf. Eh bien... On va reparler, t'inquiète. Excuse-moi, je suis là.
Eh bien... à la guerre comme à la guerre, non? C'est sûrement ce que dirait Mercer. Je vais le faire. Mais évite de tomber, ok? Priya! Oui, c'est vrai. Faut pas tomber, elle a pas tort, l'autre. Il était là, le mec qui me parlait. Ah bah ouais. C'est bien lui. Il a continué bien là, mon rêve. Bah, je crois. En vrai, j'ai peur d'avoir cassé la mission, mais il faut juste que je suive le chemin. Et normalement, tout devrait bien se passer, ouais, normalement. Oula! Je prépare ma queue. J'ai ma queue en main. Non, 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 non. Et maintenant? Ah ouais, au début, c'est la guerre. C'est pas le grand amour. Oh, tu m'attaques ou c'est comment? En fait, faut être choisi par l'une d'entre elles. Ok. J'arrive. Tu vas voir, quand tu vas me boire, tu vas me choisir direct. Tu vas dire, mais putain, mais quel BJ, man. This big BJ. On passe par eux. On passe par des endroits, ma foi. Waouh. Oh, c'est pour. Je suis bloqué. Baraba baby boo, papa. Attention à ne pas tomber. Elle avait raison, la meuf. Ah oh. Quand il disait ne regarde pas en bas. Est-ce qu'elle a menti? Ma Aylan, écoute-moi bien. Ouais. C'est un lien précieux, prends-en soin. Une vie à tout jamais liée à la tienne. Ok, mon ref. J'ai rencontré Zomei juste ici. Elle s'est cabrée en claquant ses mâchoires. J'avais le ventre noué, les mains moites. Mon cœur frappait fort dans ma poitrine. Elle cambrait? J'ai cru qu'il allait mais elle cherchait seulement à m'impressionner. Nos regards se sont trouvés et mon cœur a ralenti. Ma respiration s'est calmée. Je savais qu'elle me choisirait. Je l'ai senti. C'est beau ce que tu me racontes, mon ref. Mais là, ta zomée est dans un zomeil. Ce qui est non. D'ailleurs. Wesh. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Il y en a beaucoup là. Doucement. Et doucement. Et doucement. Oh! Wesh, elle a deux yeux de chaque côté. Choqué là. Donne-lui un nom. Elle t'appartient désormais. It's my twin. Tes mecs. Buzard, Titine. Oh, Titine, c'est trop. Titine est gros miné. Amai, comme Hawaii. Hawaii, non. Tilizi, Carole. Fury. Nimun, Katir. Tempête. Oh! Wesh! Oh, bah ou bien ça. Bien ça. D'être ça. Bref. Bon. Titine. Moi, j'aime bien. Je crois que je vais t'appeler... Titine. Titine. C'est trop mignon, Titine. Un nouveau lien. C'est merveilleux de voler par la pensée. De toucher un autre esprit. Vos cœurs battant à l'unisson. Vous devez le sécuriser. Par un acte de confiance. Comment je fais pour... Appelle-la. Wesh. Appelle ton éclat. Mais il est taré, lui. Hey. Envolez-vous tous les deux et renforcez votre lien. Tu m'as pris au dépourvu, mon ref. Oui. On a réussi. Tu as réussi. Wow. Merci. Merci beaucoup. Bon, réfléchissons. Oh la terre. Peux-tu aller plus vite? Waouh! Mais voilà! Effleure l'eau! Ya! Et on peut atterrir. Allez, plonge! On remonte!
S'il te plaît. Wow. C'est un avion, ma gueule. Tu as faim, ma belle? Tu veux une viande? C'est ça? Mais oui. Mais je voulais passer, moi, par en dessous du truc, et après, ça l'a arrêté. Wow. On peut lui donner à manger? Ah non, wesh, ça, c'est la roue des... C'est pas pareil, ça, hein. Alors, est-ce que tu veux manger ça? Nourrir Titine. Elle a mangé ou pas? Ah ouais, bah là, je lui ai donné, hein. Waouh. Eh bah, c'était cool, hein. Titine! Bonjour, ma petite Titine! Ça vole, hein. J'aurais bien voulu qu'elle aille plus vite, quand même. Ouais, je sais, ça fait à peine 2 secondes que je vole et... On devrait y aller. J'espère que les chasseurs à Ranahe vont nous aider. Tu as sûrement vu ces horribles ballons de la RDA. Je ne pense pas qu'on puisse les détruire sans aide. Toujours les ballons. Allez, allons retrouver Etua. So beautiful. On peut faire du stationnaire. Plus ou moins. Wouah. Ah, oh, c'est stylé. C'est vraiment stylé. Alors, où est-ce qu'on doit partir? Est-ce que ça nous montre? C'est que j'ai toujours rêvé de jouer au, au jeu. Tu vois les arcs et tout ça là. Et bah dans ces jeux-là, normalement, tu peux avoir une monture qui vole, des trucs comme ça. Moi, c'est juste pour faire des bails comme ça. Juste pour m'amuser genre 5 minutes et après j'éteins le jeu, frère. Alors que je suis pas intéressé par tout l'aspect survie, tout ça. Du coup, ça fait plaisir un peu de profiter de ça, you know. Dans un jeu comme ça. Wesh, mais on peut aller tout là-haut, tu crois, là? Oh, mais frère, c'est pas possible. On peut pas se balader partout non plus, non? Mais ça paraît pas réel, tout ça, wesh. C'est un truc de fou. Ok. Oh, quoique, en fait, quand tu vois la taille de la carte, en fait, je pense que c'est possible. Ok, bon. J'ai rien dit. C'est où qu'on se taille? Là, c'est en train de se battre ici. Je pense que je peux sortir un... Ah bah oui. Oh, la dinguerie. Drive-by avec Titine. Mon premier drive-by. Oh, la dinguerie. Est-ce que j'ai déglingué tout le monde ou pas? Bon, c'est un peu laborieux, hein. Mais on l'a fait. D'accord, mon premier atterrissage. Oh, c'est fou. Ah, te voilà. Et attends, et du coup, si je saute... On va dire... Bon, là, c'est pas très haut, mais bon, je vais te montrer. Titine, rattrape-moi! Est-ce qu'elle va venir? Wow. Mais wesh! Ça y est, on a réinventé le jeu de taille. Ça fait plaisir de te voir. Attends, je peux me poser ici, là, comme ça? Et admirer la vue? Attends 2 secondes. Ah, mais c'est dommage, là, c'est la nuit. Voilà. Et elle se pose où? Elle se taille. Ah ouais, juste comme ça. Wouah, rattrape-moi. Impossible. Comment ça, impossible d'appeler dans cette zone? Ouais, j'ai flippé. J'ai cru me laisser pour mort. C'est grave, ça. Oh là là. Oh là là. C'est magnifique, ma gueule. Et on peut aller où, à quel point? Parce que là, je suis quand même un petit peu curieux, parce que moi, je vais voler jusqu'à ce que... Et je vais voler, tu connais, ben, moi, je suis comme ça un peu, hein. Ah, frérot, je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que je vais atteindre le sommet du ciel. Je me suis vu me rapprocher des étoiles. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? Ah, oui, 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 oui. Attends. Ah! On peut voler haut à ce point. Mais wesh. Titine, ça va pas dans ta tête ou quoi? Comment tu me fais voler jusqu'ici, Titine? Titine! Ah ouais! Wesh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu me jeter. Parce que je suis complètement taré. Je rigole, rattrape-moi! Rattrape! Voilà! Mais wesh, ça va pas de m'obéir comme ça, là? Je rigolais quand même. Alors, c'est par où qu'on va partir? Peut-être que du voyage rapide, c'est plus rapide, on va voir. En fait, finalement, je suis venu ici, à côté de l'arbre maison. Parce que j'avais envie de récupérer
Un petit bail. Wouhou ! Voilà, merci, c'était par là, non ? Wesh, comme par hasard, ça se prend la tête ici, frère. Mais c'est grave ! Tout le temps ! Aïe ! Mais je viens vous sauver, pourquoi vous me tapez ? C'est une dinguerie, ça ! Mais non, mais je veux pas vous taper, vous. Vous êtes censé être gentil, non ? Ouais, bah oui, normalement. Bref. Est-ce que c'est vraiment ici que je voulais venir ? Parce que moi, en fait, Ah non, c'est par là, je me suis fait avoir. Bon, d'accord, bah écoute, je les ai un peu assistés. Eh, mais il y avait un animal ici à sauver ? Ah non, c'est juste des... Ouais, c'est les gens autour, on va dire. Alors, c'est par où ? Ah, c'est ça. Et j'ai tapé un seul saut les reilles. Et c'était réglé, hein. C'est incroyable. Allez, merci. Alors j'espère que c'est ce que je crois. Parce que j'ai envie que ce soit ce que je crois. Alors comment je fais... Ah mais non. Pourquoi? Alors... Connecté. Ouais, parce que j'espère que c'est le truc où on peut retirer les gens quand même. Ah bah oui. C'est exactement ça que je voulais. Extraordinaire, ça se trouvait pas loin de l'arbre maison. C'est cool ça, on va pouvoir tester. Hop 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 hop. Il y a plein de méchants ici les Khei. So we have some work to do, you know what I'm saying. Ils aiment trop dire ça, je te jure, dans le vide. On va tirer dessus. Alors, la gueule s'il te plaît, hein. Commence pas à dire bien. Hey, voilà, ils m'ont eu. Attends, ils sont où les gros musclés là? Hein? Ah voilà, t'es là, hein? Ouais! Voilà! C'est mieux comme ça, hein? Tu fais moi la maline maintenant! T'es dehors! Hé! Hey, pourquoi ça pue comme ça là? Ça va pas ou quoi? God damn it! Ah, mais là, je peux même plus faire mon truc d'instinct! Ah ouais, t'as vu, c'est comme si j'étais grave étourdi! C'est fou ça! Et quand on est au sol, je peux l'appeler ? Waouh ! Titine ! Titine ! Ou bien ? Hop là ! Je suis complètement fou, moi. Allez, Tape-moi en l'air, ça va pas ? Ouais. Bravo ! Allez, me laisser comme ça. Comme par hasard, c'est nuageux, les gars. Mais là, je suis un peu dégoûté. Pourquoi c'est comme ça, là ? Mais moi, j'aimerais bien qu'il fasse bon, là. Mais il faut des gants... Faut enlever tout ça, là, la météo. Ah, ça va se dégager. Ouais, ça va se dégager petit à petit, parce que j'ai râlé un peu. Est-ce que les nuages sont volumétriques? C'est vraiment une question que je me pose, parce que, ouais, ça m'en a tout l'air. Il y a des nuages skybox et il y a des nuages volumétriques. Ça veut dire là... Ouah, l'arc-en-ciel! Ouah, sa grand-mère! C'est quoi ces paysages de taré? Non, pour l'instant, je suis juste en train de monter. Bah, attends, je vais te dire. Ça m'en a tout l'air... d'être volumétrique, ça veut dire au-dessus des nuages. Et il va faire beau. Attends, mais c'est quoi cette dinguerie? Laisse-moi encore monter, je t'en supplie. Ah là, il fait moche. S'il te plaît, laisse-moi sortir du nuage. Ouah, c'est vraiment ça. Oh, merci Ubisoft. Merci. Alors, les nuages ne sont pas aussi beaux que sur Red Dead Redemption. Mais c'est quand même des vrais nuages coton. Tu peux passer à travers et tout. Coton, t'as capté ou pas coton? Wow. Ouais, non, c'est vrai, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais on peut quand même dire qu'il y a un effort. Ah, vas-y, fonce. Ouais. Et en dessous, il va faire moche. Parce que c'est comme ça, malheureusement. Ouah, mais est-ce que tu réalises? Ouah, la hauteur qu'on a pris, là. C'est dingue. Non, la next gen, elle est là. The next gen is here, guys. There is no doubt about this. Je sais pas comment ça tourne sur des PC moins puissants ou quoi. Mais déjà sur console, j'ai cru comprendre que c'était bien déjà. Ça tournait bien. C'est où le truc? C'est pas au sol quand même. Je sais pas, mais on dirait que c'est vers là. Oh, je suis trop bête, c'était le point que j'avais mis tout à l'heure pour le truc de compétence. Le truc, il est là. Bon. Ouais, on se retrouve le lendemain, les reilles. Ouais, parce que des fois, je suis fatigué.
Des fois, j'ai pas le temps. Des fois, il y a la vie. Mais surtout, cette nuit aussi, j'ai pas très bien dormi, bof. Donc si je fais des erreurs en parlant, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Wow. Hop là. Est-ce que c'est bien là ou je me suis trompé? Hop. Ah, c'est juste là. Youpla. Waouh, c'était parfait. Je suis là. Incroyable ce jeu, vraiment. C'est une claque. Oh non, c'est la nuit. Ton Ikran est fier et farouche. Ouais. On dirait qu'elle s'est reconnue en toi. Ton père a refusé de m'aider. Comme tous les autres. Peu importe ce que je dis, ils continuent de me voir comme la fille de mon père et pas comme leur Tsarik. Tu es tout ce qui lui reste. Je ne suis pas que l'ombre de ma mère. Je suis l'ombre de elle ta mère. Elle adorait cet endroit. Quand j'étais enfant, nous volions jusqu'ici ensemble. Elle me portait sur son Ikran et me serrait contre elle. Waouh. On s'allongeait par terre. Et on se racontait des histoires sur les étoiles. Je me sentais tellement grande. Elle te donnait confiance en toi. C'était les légendes sur les King Lore que j'aimais le plus. Waouh. Je me demande quelles histoires se racontait mon peuple. Ils te les ont volées. Ceux qui viennent du ciel ont trop volé. Ma mère avait compris que leur cœur était empli d'ignorance et de cupidité. Elle s'est opposée à eux et de elle méchanceté. A fini par se faire tuer, transpercée par du métal humain. Oh. Après cela, il n'était plus question de résistance. Ton père pense à ce qu'il a perdu en les combattant et à ce qu'il risque de perdre. Si nous ne les combattons pas, alors nous allons tout perdre. Nous ne voulons pas de cette guerre. Mais ils ont fait de nous des guerriers. Nous devons aller au-devant d'eux. Ouais! Est-ce que je peux faire pareil? Ça, ce serait mon cri pour appeler mon Ikran si j'avais le choix de customiser mon cri. Non? Ah bah, c'était terminé. Hey, Priya! Il y a quelque chose dans le ciel. Une espèce de signal émis par ces appareils. Ça perturbe les King Lore et leur alimentation dans la forêt. En aidant les King Lore, on aide aussi les Aranahe. Hey, tu peux m'en scanner un? Je vais essayer de voir à quoi ils servent. Hop. Alors. Ah, du coup, c'est l'aube. Ah, waouh. Oh, c'est dégagé. Non, vraiment. Vraiment, on avait besoin de ce jeu, en fait. Ouais, je le dis parce que. Bah. C'est suffisant, là, juste là, ce qu'on voit, non? Pour expliquer. Waouh, regarde, la lumière! C'est même pas des nuages, c'est de la brume, en fait. C'est comme une brume du matin ou un truc comme ça, non? Wow. On dirait la vraie vie. Oh là là! Du coup, il faut localiser les engins aériens de la RDA. Oh! Ils ont été repérés au sud-est de la forêt soyeuse, au-dessus de l'île de la Bobine. Ils sont là. Je les vois. Ah ouais, mais il y en a plusieurs, c'est comme des... Alors, bon, on dirait des dirigeables, mais... Oh! Hello! C'est beau. Hop. Priya, je suis à l'un de ces machins volants. Un truc à scanner. Ah non, me dis pas, je vais devoir sortir mon bail là. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors. Y'a pas là, papi, poupa, papa. Hé, attends un peu. Je détecte des unités de la RDA après toi. Ils viennent sûrement vérifier les ballons. Priya, t'es là? Je t'ai envoyé des données. C'est bien reçu. Ok, attends. Ces données indiquent
Non! Je voulais... Non! Mais non! Je voulais caresser Titine. Titine. Titine est grominée. Elle est trop mignonne, Titine. Je veux rien savoir. T'aimes comment on la caresse. Contente? Oui! Elle est gentille, wesh! Mais c'est une guerrière, ça veut dire. Il faut pas abuser non plus. Ok, bon. C'est quoi que je dois faire, là? Parce que moi, je suis un peu occupé, là, à faire les bails de caressage. Peut-être que je dois passer à un autre truc, à mon avis. Ouais, ça doit être ça. Ok, bah écoute, on va la faire comme ça. Hey, wow! Tu viens, s'il te plaît? Tu me laisses pas comme ça, Titine. Je t'ai caressé, je suis gentil, t'as vu? Hop, 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 hop. Elle peut me lâcher comme ça, donc. J'espère que je vais tomber dessus. Waouh, waouh, attends, attends, attends. Hey, wow. Très bien. Alors. Titi, 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 titi. Ok. Oh, j'avais envie de vous dire. Ah, mais faut détruire ça, en fait. Bah oui, ça veut dire le truc là-bas, je dois le détruire. Ah bah oui. Bah forcément, il faut partir. Ça a marché. Le ballon est à terre. Et Dylan, c'est trop bête. Enfin, pas bête, bref. Trop cool. Eh, j'ai pas trop bien dormi. Dégage, dégage, dégage. Ça va exploser. Voilà! C'est horrible! Je peux détecter n'importe quoi! Des gisements de minerais, du pétrole. Tu sais quoi? Je parie même qu'ils l'utilisent pour forer. Teylan, tu pourrais? On dirait un réseau entier de signaux qui se répondent. Teylan! Oh! Préviens-moi si le signal s'affaiblit, d'accord? Oh, ok! Je te ferai signe. Il y en a tellement, c'est fou! Même en dehors de la forêt, il faut en abattre autant que possible. Teylan, tu as quelque chose? Mais est-ce que c'est vraiment un problème? Après tout, tu fais rien. Il fait plus de mal que tu ne le penses. Je dois le faire taire. Oh, d'accord. Je trouve ça cool, tu sais. Voir comment ça fonctionne, mais je comprends. Je continue de le faire! Tomber! Hey, ouais! Oh là 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 là. Non, pour de vrai, je suis choqué, là, je... Ah! Merde. Titine? Comment tu m'as mis ça? Comment tu m'as mis ça, là? Allez, remets-moi ça, Titine. Bon, 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 bon. Mais tu es trop gentil, Titine. Tu es trop gentil. C'est ma petite Titine, ça! Vous pouvez mettre Titine dans les commentaires si vous aimez bien Titine. Titine avec un cœur. Ouais, mais non, mais là, elle veut trop de caresses, là, frère. Je voulais pas la caresser. Hop là! Allez, tu viens! Je t'ai vu te téléporter, tu m'as pris pour un con, quoi, là, quand même, hein. Quand même, Titine. C'est quoi, ça? Hey, wow! Attends. Est-ce que on pourra avoir une belle photo comme ça? Hey, wow! Je voulais voir ce que ça donnait. Un film d'action. Mauvaise nouvelle. Ces appareils continuent de renvoyer le signal. Il faut que tu remontes à sa source. On dirait qu'il transmet depuis un lieu proche. Le site de la RDA, près des colonnes de pierre. Et toi est là-bas. Tu penses que tu vas combattre des humains là-bas? Ils ne vont pas me laisser faire. Hey. Ah, je te jure, je me régale. Il n'y a pas un jeu qui m'a régalé comme ça depuis longtemps. Sûr, c'est fou, mais... Il y a eu pas mal de déceptions. Hein. Et souvent, quand j'étais dans l'attente... C'est pour ça, maintenant, je suis traumatisé. Quand il y a un jeu que je trouve trop beau, eh ben, en fait, je retiens mes attentes. Je sais pas comment dire. Genre, je suis en mode... Eh, qu'ils sortent, après, on verra. Vraiment, je te jure, maintenant, ça m'a dégoûté. Parce que des fois, il y a des jeux, j'ai eu trop d'attentes. Je suis en mode... Waouh, putain, pourra faire ça, pourra faire ça. Le jeu, il sort. Clim! Mais quelle clim, une clim centralisée, avec des frigos partout, ouverts, douche froide, moins 10 degrés, sans doudoune,
Ouais, sans chauffage, rien. Bref, la déception. Je sais pas si t'as compris. Eh ouais, faites la course. Je vous fume. Je vous éteins la course, les frères. Bon. Ouais, mais du coup, ça me fait plaisir, vraiment. Après, bon, on n'a pas encore beaucoup vu du jeu. Mais c'est déjà très bien. Hein. Ça devient dégueulasse ici. Ah ouais. On approche des endroits problématiques. Hein. Tu vois, avec des lianes comme ça, on aurait pu faire du Tarzan. Ça disait extracteur hydraulique. Est-ce que tu les vois en bas? Et en haut? Plus pour longtemps. C'était leur tout dernier vol. Nous allons mettre un terme à leur mal. Que leurs cendres obscurcissent le ciel. Je vais attirer leur tir. Oui, c'est Speedy Gonzales. C'est moi, c'est Speedy Gonzales. Alors, neutralisé. Je suis arrivé à l'avant-poste. Mais tu crois que c'est une bonne idée? Je peux entrer discrètement. Et toi, distrais les scorpions dans le ciel. Je serai plus discret si tu utilises ton site. Je vérifie si la base de données de la résistance a des plans. Peut-être que je peux t'aider. Wow! C'est par où? Je pense qu'ils m'ont vu. Je sais pas. Ouais, ils m'ont vu. De toute façon, je m'en fous. Maintenant, j'ai une attaque incroyable. You know? J'ai perdu le contact visuel. Attends, comment on fait déjà? Aïe, 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 il fait chier. Normalement, là... Voilà. Non, mais c'est Titine, pardon. Pardon, Titine. J'ai tiré sur Titine. Eh non, mais c'est grave. Vraiment, c'est très grave. Voilà. Hop, 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 hop. Non, parce que les gens, ils font des plans de je sais pas quoi. Non, mais faudrait que je dise à Titine de partir, là. Voilà, j'ai pas envie qu'elle... Elle reste ici, Mskina. C'est très grave, ça. Je vais tirer dessus. Vraiment dégoûté. Et ça suffira? Titine, reste loin de tout ça. Qui c'est qui tire comme ça? Wesh. Y'a quelqu'un en fait, il faisait des dingueries là. Oh, y'a de l'eau là. Ah, t'es déjà fini tôt. Trop une merde. Mais ouais, j'arrive pas à les neutraliser avec ma main. Bref, c'est où le bail? Pas un bail juste ici. Pardon. Oh, voilà. Très bien. Ouais, d'accord. Tout ça pour ça, hein. Vraiment. Non, parce qu'à force de sauter partout, en fait, ça a coupé la combe. Et du coup, on a reparlé tout ça pour qu'ils me disent deux mots. Je crois que ça va faire boum boum, non? Ah, y'a un autre truc là qui doit faire mon boom. Mais quoi? On va faire des drive-by. Voilà. Mais attention à ma titine, hein. Mais tu crois que normalement elle a une vie ou pas? Hey! Il tire trop là, j'aime pas. J'aime trop la conf. Il faut que je remette Mais pas ça, moi je veux l'autre truc en fait. Qui fait des boum boum boum. Que ça fait des boum boum boum, ça c'est juste incendiaire, j'aime pas ça. Je sais pas, peut-être que j'ai dû changer de type d'arc et du coup ça m'a fait ça.
Enfin bref, c'est pas très grave. Yeah. Ça ne change rien au fait que de toute manière on va tout niquer. Attends, c'est juste là? C'est juste là, c'est pas mal. Merci Titi de m'avoir déposé, très gentil. Il faut que je remette l'autre truc là aussi. Je réutilise ça là. Non, pas ça. Ouais, c'est ça. Ça là, c'est dingue. Oh, yai yai. Mais ça, on peut pas l'utiliser à partir de trucs. Non, ça explose toujours ça, non? Ouais, ça explose. On peut pas l'utiliser à partir d'une monture. Parce que je pense qu'ils ont dû trouver ça trop... trop cheaté peut-être à partir de Titine. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, c'est pas... It's not very grave, you know. Ok. On est là. Bientôt fini ou pas? Ok, je l'ai désactivé. C'est bon ou c'est pas bon? Non? Ouais! Au plongeon! Un signal n'a pas faibli. Tu vas devoir trouver le transmetteur. Il est sûrement en hauteur. Oh! Surcharge-le! Ça va faire payer. Il est où, frère? Y'a des gens sur les toits là? Ah non! Eux là! Revenez par là où vous avez tiré dessus en premier, vous allez voir. Tiens, ils voient pas avec tes petites ailes. C'est là, non? Pars loin d'ici, Titi, s'il te plaît. Ah ouais! Du coup, c'est ça là qu'il faut hack, peut-être? Ouais, I think so. Alors... Ça dit pas de cliquer, non? Ah, c'est là, en fait. Ensuite, ça va débloquer. Un bail. Ou plutôt... Ah, il faut diriger le truc. J'ai l'impression... Ah, Attends... Wesh! Wow, le tunnel, il est long. Ouais, mais bon. Bah, c'est là. I got it. Ça va, c'est un peu satisfaisant quand même. J'aime bien. Après, ça va redevenir BG. Ouais. Comme si de rien n'était. Ce cortex, les pyramides. T'as capté. Et toi, non ? Oui, c'est vrai, c'est un peu crash là. Ça va être par là ? Ah ouais ! Notre ami est en danger. Est-ce qu'elle a trop fait la folle ? J'espère qu'elle va bien quand même. J'ai perdu sa trace. Non, te pose pas ici! Mais c'est grave. Voilà, elle est partie, alhamdoulilah. Oh là là. Hé, hey, je voulais taper, moi. Ouais! Oh, il est tombé. Il avait... Cible aperçue. Oh, j'aime trop les taper comme ça contre les murs. Oh! Tu vas me dire, ils sont pas morts, frère, quand tu leur fais des grosses patates comme ça. Alors, est-ce qu'on a vraiment perdu leur trace ici, en fait? On doit chercher plus en détail. Peut-être que c'est ça. Elle a été attaquée par un scorpion de la RDA à l'avant-poste. Tu penses que c'est ça? Je suis pas sûr, hein. Mais je suis quand même la piste. I'm suiving it. C'est quoi ça? Oh non! Calme-toi, Tano! Elle est pas contente, elle est pas contente! Et toi? Et toi? Réveille-toi! Ouvre les yeux! Allez! Regarde! On a réussi! Tu les vois? Les fleurs s'ouvrent! Les Kinglors vont pouvoir se nourrir à nouveau! Je t'en prie! Je sais pas quoi faire! Faites des doigts dans le chat, faites des doigts.
On doit la sauver, j'espère. Oui. Ok, c'est bon. Parlez à Kanat. Lolo Ektan des Arana dans la maison. Il doit se trouver dans la salle du conseil. Ah, carrément! D'accord. Faut partir genre vers là-bas. I think it's about here. Yes, yes, yes. Ah ouais, ça veut dire on va la laisser ici. Pendant qu'on va essayer de discuter de son cas. Dire bon, frérot, là, elle est dans la merde. En plus, ça... Ça y crâne là, ou je sais pas quoi. Elle est énervée et tout. Du coup, compliqué. Bon. Je dois réparer le harnais de mon crâne. Je dois réparer. Ils ont toujours les trucs à faire, eux. S'ils parlent pas de cuisine, ils parlent de mécanicien, de mécano. Non, c'est pas de mécano, du coup, c'est... Merde, c'est pas là. Bref. J'ai galéré à les trouver. Et toi, est blessé. Rassemble les chasseurs. Qu'ils préparent leurs ikran. Toi. C'est ta faute. Elle t'a suivi. Père, mais ouais. Arrête. Arrête. Regardez. Ils sont en train de manger. Ils mangent tout seuls. Que leur est-il arrivé? C'était ceux qui viennent du ciel et leurs machines flottantes. Leurs étranges pulsations refermaient les fleurs et chassaient les Kinglors loin de leur nid. Il n'y a que la Sarentu qui m'a écoutée. Elle a vu ce qu'elle faisait et elle les a détruites, toutes seules. Voilà, dis-leur. J'ai essayé de vous prévenir. Je voulais que vous veniez avec moi. Mais finalement... C'est une Sarentu qui a sauvé notre clan. Ça suffit. Et vu qu'ils aiment et trop toi parler... Et toi, raison. Et toi, t'as pas raison. La guerre est à nos portes. Et Ewa crie sa douleur. Ce cri, nous ne pouvons plus l'ignorer. Et toi et moi, nous tiendrons à vos côtés. Et nous mènerons notre peuple. Ensemble. Leurs mains ne seront plus jamais tachées de notre sang. Nous allons chasser ce fléau de nos terres et de nos cieux. Pour nos enfants. Pour leurs enfants. Pandora sera libérée! Je te l'avais dit. J'avais foi en toi depuis le début. Ouais, mais tu lui, là, as non. Bien grandi. Et tu prêtes à endosser ce rôle. Guerrière du peuple. Pour que les clans sachent que les Aranahe ne reculeront pas devant le combat. Ah. Bah, c'est bien. C'est cool. Moi, elle nous raconte pas des blagues de merde. C'est déjà ça. Et toi, provo... Oh non. Et toi. C'est où la prochaine quête? S'il vous plaît. Dès que tu as obtenu du réseau de radar, il cartographiait la forêt des Kinglors sous tous les angles. La carte va très profond dans le sol de Pandora. On aperçoit même quelques grottes. C'est magnifique. Est-ce qu'on sait ce qu'ils cherchent? Pas encore. Peut-être du minerai souterrain. Je viendrai vous voir très bientôt. Waouh. Ah waouh. J'ai bien dit. Ah waouh. Ouais, va vite là quand même. Ouais. Waouh. Bah ouais, quand même. Bon là, je trouvais, elle allait vite quand même. Est-ce que c'est normal, la vitesse là qu'elle a pris? Elle a jamais volé aussi vite que ça. Est-ce que c'est parce qu'on était proche des arbres ou je sais pas quoi? Je sais pas, mais j'aime bien quand elle fait la folle comme ça.
Bon, l'autre il nous a dit, je crois, il faut faut aller au QG. Je vois des sortes de foreuses. Des foreuses laser. Ils ont sorti l'artillerie lourde. Oh non. T'es très forte, Titine. Bien vu, Titine. On a de la compagnie. Titine, pars. Wesh. Elle prend feu. Je croyais. Allah inad. Attends, mais ils m'ont remis le truc ou pas? Ils m'ont pas remis. Le truc qui explose, je veux pas les trucs incendiaires. Ta gueule. J'ai l'impression qu'ils deviennent de plus en plus chiants, les... Wesh, ils étaient en train de tirer sur ma Titine. Personne touche à Titine. Vos grands-mères. Vous comprenez ou pas? Donc, il faut essayer d'interrompre un peu les activités ici, là. Comment est-ce qu'on va faire? Ça va pirater des bails comme d'habitude. Et vous abonnez d'où j'ai mon ami, maman, ami, mou, maman. Et la bella bou papa papa. Et la bella bou papa papa. C'est très haram ce que vous faites, les amis. J'ai batterie bien, vraiment. Vous êtes des connards. Vous méritez tous de mourir à la bibou papa papa. Donc je suis là pour rétablir la vérité et la justice. La nature doit respirer, donc vraiment, vous êtes des connards. Vous avez déjà dit ici. Oh là là, frère. Pourquoi des fois je chante en parlant, frère, c'est plus fort que moi. Le mec a trop de talent, ça veut dire vraiment les flots ils viennent tout seuls, quoi. Ah waouh. Ouais, la nature qui reprend le dessus. Merci. Mais juste à côté, il y a encore des connards, c'est pas possible ça. Qu'est-ce que tu veux? Wesh. Voilà. Yeah. Titine, pars! C'est trop dangereux. Et c'est trop violent pour toi. Allez. Y'a qui encore? Wesh. Fais des bails de lance-flamme. Quel chien va. Oh, c'est beau le feu. Il y avait quoi dans le coin? Moi je veux bien prendre vos bails là. Attends, c'est quoi? On dirait un shotgun? It's not a shotgun. À ce qui paraît, on aura un shotgun. J'espère. J'espère bien parce que vraiment, moi j'aimerais bien après avoir un shotgun. Vous avez boum 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 boum. Et comme vous avez des boum 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 boum, moi j'aime bien quand vous avez des boum boum. Après, vous avez... Faut parler à Alma? Ouais, mais attends, avant tout, j'ai plus important moi alors. C'est où le coin des guns? Parce que ce serait bien de faire des courses un peu. J'ai encore entendu notre flûtiste. J'ai encore entendu qu'il y avait des guns ici. J'espère que c'est le cas quand même. Après, je retrouve même pas, frère. Ah, c'est là. Tu viens te ravitailler? Frère. C'est quoi ça? Chargeur haute capacité. Compensateur tactique. Ça sert à quoi? Ouais, j'ai pris quand même. Ouais, j'ai pris un des trucs. Bah, mais... Et n'oublie pas, ne pointe pas tes armes vers toi. Ah ouais, il y a des trucs que tu peux faire, frérot, c'est incroyable. Arc long flamboyant, arc long hewew. Pour l'instant, il n'y en a aucun que je peux truc, hein, parce que je suis pas du genre à cueillir, malheureusement. Alma? Je ne t'avais encore jamais vu comme ça. Je ne quitte pas souvent mon caisson ces derniers temps. J'ai pris l'habitude d'être comme vous. C'est sa forme humaine. Tu as l'air différente et pareille à la fois. Je suis la même. Mais toi, tu changes. Tu grandis. Chaque fois que je te vois, tu sembles encore plus Na'vi. On a appris pour les Aranahe. Je ne pensais pas qu'ils changeraient d'avis. Nous sommes plus forts que jamais, désormais. Ah, c'est intéressant. Du coup, tu m'as fait venir juste pour que je te ça vois sous ta forme humaine. J'entends des bruits bizarres. Est-ce que c'est des bruits méchants? Ou c'est des bruits... C'est de cette façon que tu accueilles les Sarentu après tout ce temps. C'est accueillir. Je vais les voir de mes yeux. Pas le moindre sursaut, je vois. Brave comme un zessoir. Ou bien simplement stupide. Ça dépend. C'était moi la cible? Mon nom est Nessim. Oloektan,
des espoirs. Et aucun guerrier ne peut se mesurer à nos lances. Ok, Nissim. Tu ne nous as pas encore vus combattre. Il paraît que vous avez fait sortir les tisserands de leur arbre. Les sautoutés ravagent aussi nos terres. Nous les connaissons. Bien trop, hélas. Je vais chercher Alma. Donne ton propre avis, Rinella. Sorlek. Nous avons le même ennemi. Nous devons nous battre ensemble. Notre émissaire viendra donc vous voir. Comme notre peuple autrefois. Donc Rinella, elle est là. C'est pas Rinella pas là. Ma sœur Minang a l'habitude de chasser sous les arches du souvenir, guerrière. Fais-lui signe avec le cerf-volant de nos cavaliers. Et elle répondra à ton appel. Nissim. Salut, moi c'est Nissim. Comment ça va? Ouais, moi ça va, et toi? Prépare-toi bien avant d'aller voir la Tsarik Zeswa. Un long voyage t'attend jusqu'aux plaines supérieures. Ouais, toujours des voyages, toujours. Vas-y, ça change, il veut quoi lui? Jinyong Makai. Makai. Je sais pas à qui en parler. Depuis, il me dit, comment... tu veux me parler? Bah, je devrais peut-être garder ça pour moi. Quoi, il est puceau, quoi? Ça va, tu peux me le dire, Jin. Ok, merci. C'est Dany. D'habitude, elle suit les autres sur leur trajet habituel. Mais ces derniers temps, elle en fait qu'à sa tête. Les autres disent qu'elle est partie au sud-est, jusqu'au cratère. Et quand elle revient, elle m'évite. Elle se défile dès que je pose une question. C'est jamais le bon moment pour parler. Elle est fâchée contre toi? Non, non. Si seulement c'était aussi simple. Mais je la connais, il y a autre chose. Je... Peut-être qu'elle t'aime pas. Je pense que c'est ma faute. Récemment, j'ai abordé un sujet, sachant bien que ça lui plairait pas. Tu veux la pécho et elle veut pas. Je pensais que c'était le bon moment et qu'elle... Ouais. Bon, tu sais quoi? C'est pas important. Ouais, c'est ça, ouais. Je peux aller la voir, si tu veux. Gros pervers, écoute, va. Dany est la personne la plus forte que je connaisse. Mais cet endroit est dangereux. J'ai pas besoin de savoir où elle va ou ce qu'elle fait. Je veux juste m'assurer qu'elle va bien. Ouais, ça, ouais. Allez, éclipse-toi, c'est bien. Et que je te revoie plus. Yes. Enquête d'un foyer. Ah ben, on sait ce qu'elle est partie faire. Elle était en quête d'un foyer. Titine. Mais ça va, Titine. Alors, équipement de cavalier, c'est quoi ça? Équipé. Mais c'est pourquoi faire... Les éléments cosmétiques changent simplement l'apparence de votre écrane. D'accord, c'est juste pour lui mettre ça au cas où. Plutôt que je lui attrape les tifs. T'as capté ou... Mais maintenant, je vais l'enlever. Ah bah voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, khaliha, elle est libre. Oh, bah attends, tu aimes bien changer les couleurs, toi. Apparence cosmétique. Ok, bon. En tout cas... je sais pas si j'ai envie de faire les autres trucs, là, secondaires. Ah! C'est juste histoire de savoir qu'est-ce qu'il avait, parce qu'en fait, j'étais curieux. À chaque fois que je passais au QG, il me disait... Est-ce que t'as deux secondes, s'il te plaît? J'aimerais juste te parler. Wow, frère. Ah, c'est elle ne vient pas. Dinguerie. Bah, elle ne vient pas, elle est venue, wesh. Bravo. Ouais. Ah, t'as peur au dernier moment, toi. Tu crois que je t'ai pas vu? Fais genre, il était pas là. Yeah. C'est nuageux un petit peu, les raids. J'aime pas beaucoup ça. Il va bien qu'on s'est dégagé, les raids. Tu vois ce que je veux dire, ben. Waouh. Incroyable, vraiment. Alors, ça se trouve où, ces bails? Ah, bah ça nous fait explorer une autre région qu'on n'a pas encore vue. Ok, bah c'est très bien, merci. Tu n'auras pas ton Ikran. Elle n'est pas prête à t'accompagner dans ces terres. Pourquoi pas? C'est un ciel inconnu, trop éloigné du sien. Fais confiance au lien, même s'il est nouveau. Elle te rejoindra quand tu connaîtras mieux le territoire et ses défis. Comment je vais faire, alors? Tu apprendras, et lorsque le moment sera venu, les ancêtres et soi t'indiqueront la voie. Pour l'instant, va jusqu'aux cascades. Tu y trouveras un réseau de grottes qui te mènera aux plaines. Ok. Ouah, c'est énorme. Et si on vient à pied, il me nique aussi. Ok. Donc quoi, faut que je dois contourner en fait, c'est ça? J'ai l'impression que c'est ça.
pour l'instant, même si en vrai ça pourrait être réglé, mais... J'ai vraiment pas envie de casser le jeu. Parce que on peut facilement casser un jeu. Ben oui, c'est fragile, surtout avec des cheats. Par contre, ça, je veux bien, là. Connexion profonde. Faut que j'y aille, parce que je crois que c'est un truc par rapport au lien que j'ai avec mon écran. Non, par contre, ils ont intérêt à pas improviser. J'approche d'une très grande base de la RDA, dans la partie nord de la forêt des Kinglor. Évite cet endroit si tu tiens à la vie. Il y a plus de soldats dans cette base que les Kinglor dans la forêt. Et n'essaie même pas de t'en approcher à Dodikran. Les tourelles anti-aériennes te tueront à vue. Ok. Ah. Je vais essayer d'éviter le coin pour l'instant. Mais c'est quoi cet endroit? Je ne sais pas ce que la RDA fait là-bas. Priya ou Taylan auront peut-être plus d'informations. Mais la RDA te réduira en miettes si tu y vas sans préparation. Ce serait du gâchis après toutes ces années de sommeil. On a été témoin de ça. Même si en vrai, bon, j'ai juste décidé de capituler parce que je suis raisonnable. Vous pouvez me le dire, ouais. Vous pouvez me dire, ouais, yo, c'est raisonnable. C'est vraiment une décision d'adulte que t'as pris. T'es mature et tout. T'es un adulte responsable. Alors, c'est où le bail? Ah, mais c'est pollué par la RDA. Ah, les chiens. Je crois qu'il est inaccessible, en fait. Ah, j'ai capté. Vous avez voulu me piéger. Eh ben, vous m'avez piégé. Voilà, bien, ouais. J'espère que vous êtes heureux. Vous êtes content? Vous êtes content? Bravo. C'est bien. Non, c'est bien. J'ai pas le seum. C'est bien. Attends, quand on va ressortir de cette zone, tu penses qu'il refera beau? Généralement, c'est ça. Généralement, quand tu ressors d'une zone comme ça, après, j'ai voilà le temps. Voilà la falaise. Il devrait y avoir une grotte. Est-ce que c'est un bail où on passe à travers les cascades? Parce que moi, j'aimerais bien que ce soit comme ça. Après, voilà, c'est pas possible. Vous quittez la zone. Non, mais t'inquiète. Je vais devoir te laisser ici. Mais je te retrouve bientôt. À tout à l'heure! Non, elle me fait de la peine, Titine. C'est ma petite Titine! Non, franchement, je pense que des fois ça va relancer juste pour caresser Titine de temps en temps, tu vois ou pas? Non. T'imagines, frère, tu te dis où? C'est l'entrée de la grotte! Il y a une petite Titine là qui m'attend. Bref, ah! Bah oui, là, il faut que je fasse gaffe. Je vais un peu vite, les reins, désolé. Attention, on va se taper la tête! Oh, c'est quoi ça? Un point de compétence. Waouh, c'est toujours très beau. J'en ai pas besoin, regarde. Si, quand même. Parce qu'on sait jamais, vraiment on sait jamais. Parce que ça peut activer une cinématique. Encore une fois, je parle de bail de casser le jeu, tu vois. J'ai peur. Je suis prudent, j'essaye d'être prudent. Ouais, il fait beau. Oh. Oh. Oh là 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 là. Ah, hissez les cerfs-volants. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Waouh. Oh là là, c'est dingue. Mais tu penses que je peux pas l'appeler, Titine, ici? Normalement, si. Hop, je suis au niveau des cerfs-volants. Il y a... Aïe. Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? De physique. Oh. Non mais les gars, soyons raisonnables deux secondes, là, c'est trop beau. C'est vraiment trop joli. Super content, vraiment. Alors ça me dit d'aller là? Ah, bah oui, c'est bien là. Ok, va falloir que je baisse un petit peu cette... comment ça s'appelle là? La hauteur, vraiment la hauteur là du saut, c'est... J'aime pas. Ok. Nessim m'envoie parler avec la Tsarik des Essois. Alors nous nous sommes trouvés. Vous nous avez manqué. Minang, les Sarentou foulent à nouveau nos terres. Allons voler au gré du vent et dansons autour du feu. Nous écouterons vos histoires comme autrefois. Ma sœur, tu dois lui laisser le temps de s'habituer. Respirer notre air, sentir la terre sous ses pieds. Rencontrer les Aklou. Qui sont les Aklou?
Nos protégés et nos gardiens. Notre foyer et notre cœur. Le foyer de notre peuple voyage. Il ne reste jamais au même endroit. Mais nous laissons des cerfs-volants dans son sillage. Pour que vous puissiez retrouver le chemin. Tu penses déjà comme une zessoie. Maintenant, nous allons t'apprendre à monter comme nous. Oh ! Je veux avoir un petit cheval ! Waouh ! Je suis trop heureux. Tu dois commencer par trouver un Equidius. N'importe lequel. Notre lien n'est que temporaire. Avance lentement, calmement. Puis établis le lien et monte. Lentement. Oula. Attends. Ok, il a pas kiffé. Mon ref. Tout doux. Je ne vais pas te faire de mal. Ouais, je suis en train de me charger là. Bon, là, il est en train de me charger. Non. Non. Calme-toi. Oula. Bon, on va réessayer. Ils ont combien de pattes? Montre-leur que tu ne leur veux pas de mal. On dirait une vague, enfin une vague, des vagues dans la mer, le truc que ça fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout va bien se passer. T'inquiète, mais arrête. Oh. Oh là 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 là. Mais frère, il faut que j'arrête là avec cette vitesse. Vas-y, je vais réessayer. Calme-toi. Voilà. Tu as réussi. Tu peux chevaucher comme les escargots. Non mais non, on s'en fout, il y a lui là. Waouh ! Comme le vent, Sarento. Nos amis Zakro seront heureux de te rencontrer. Repère leur cerf-volant. Tous sont de retour, tout est possible. Qu'est-ce que c'est que cette singerie sans nom? C'est par où? Waouh! Attention, doucement. Ça me dit repère des... Ah, il y a des cerfs-volants là-bas. Bon, on va essayer d'évoluer comme ça. Dans ce sens. Voilà. C'est quoi les contrôles? Il peut sauter? Mais wesh! Il est pas censé sauter aussi haut. Hein. Je pense que c'est à cause des cheats. Hein. Est-ce que je vais me plaindre, les frères? Est-ce que je vais me plaindre? Non, pas du tout. Il y a des plaines à perte de vue. Voilà les cerfs. Enfin les cerfs volants, pardon. La piste des cerfs volants traverse la vallée de la célébration. Qu'est-ce qu'on célèbre ? La Tsaïk des Essois m'a appris à monter un Equidius. Mais non ! Ah ouais. Tu lui as donné un nom ? Ce n'est pas la même chose. Le lien avec eux n'est que temporaire. Ah d'accord. Mais c'est quand même cool. Ça fait quoi d'en monter un ? On se sent fort. Puissant. Mais ils tournent pas aussi bien qu'un Nukla. J'imagine qu'ils ne volent pas non plus. Non, mais on peut parcourir les plaines beaucoup plus vite. C'est si vaste ici. C'est tellement différent. Impressionnant. Là, vraiment, j'ai repris une claque. Je pensais pas que c'était possible. Les paysages, ils sont monstrueux. Dans le bon sens. Merde, c'est quoi ça? Non, ça là. Panthère volante! Comment ça, panthère volante, mon ref? Non seulement c'est une panthère, mais en plus elle est volante. Il y avait quelqu'un qui parlait là? J'ai entendu quelqu'un qui disait avant l'arrivée de ceux qui viennent du ciel. Oh, c'est quoi ça? Salut toi. Tu es mignon. Colosse Sonic. Ça va, t'es gentil ou? Ah ah. Je teste juste ta gentillesse. Waouh. Waouh. Non, 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 non. Viens, on part. Viens. Il craint lui. Wallah, il craint.
C'est quoi ça? Wesh. Il y a encore des cerfs-volants là-bas. Pourquoi je suis recouvert de quelque chose là? C'est des... On dirait des trucs qui m'ont explosé dans la gueule. Ah bah super. Je sais même pas si ça nous enlève de la vie normalement, en temps normal. Ou est-ce que ça nous lave, ou est-ce que ça nous... Je sais pas pourquoi ça me rappelle Ghost of Tsushima. Ça s'appelle comme ça, non? Non? Le chevalier ninja. Bon, la traduction elle est catastrophique, chevalier ninja, mais bon, c'est ce que moi j'ai retenu. Non, c'est pas comme ça qu'il s'appelle le jeu. Je sais plus maintenant. Peut-être que je confonds avec un autre. Au niveau du nom. Ah non, j'ai vérifié, c'est bien Ghost of Tsushima. Parce que je crois qu'il y a un autre jeu, je sais pas pourquoi, avec Ghost, je crois. Que j'avais envie de faire. C'est un truc... ça se passe dans une ville au Japon, c'est un truc horreur et tout. Je crois qu'il y a un truc dedans de Ghost ou de Tsushima, l'un ou l'autre. Ou ni l'un ni l'autre, on sait rien les frères. Ah waouh. Mais je sais pas si vraiment il saute comme ça normalement. Vraiment hein. Attends, je vais voir. Ah mince. Alors oui, je vous confirme, il... il profite aussi de la hauteur du saut. Hein. Ouais, ça donne des sauts, ma foi... un peu stationnaire, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas censé être comme ça à la base. Mais du coup ça ne profite pas non plus par contre de la vitesse de déplacement. Et c'est trop dommage, c'est le seul cheat que je regrette qui marche pas, tu vois. La vitesse de déplacement, franchement, c'est aïe aïe aïe, ça aurait été trop bien. J'ai pas calculé le nombre de jambes qu'il a, Allah. Je crois vraiment qu'il en a 4 à l'arrière. Et 4 devant. Non, 2 à l'arrière. Et 4 devant. Ouais, ça cavale plus vite qu'un cheval normal, c'est vrai. C'est énorme. Mais la vallée, elle veut pas finir, là. C'est vraiment un truc de fou. Ah ouais. Tu vois, j'aime bien le jeu. Par moments, c'est relaxant. Par moments, c'est malaxant. Ouais, ça veut dire que des fois, tu prends la tête, tu tabasses des ennemis. Mais c'est pas une mauvaise prise de tête. Un peu de soleil, s'il te plaît. Ah ouais! Wow, là là! C'est fou. Hein? Je suis tombé sur un arbre, écrit. Désolé. En même temps, j'étais pas calculé, les frères. Moi, j'arrivais pas, c'était comme ça. Oula. Ça y est! Je l'ai trouvé! T'as trouvé quoi? Explorer le cercle. C'est en bas? J'ai peur de tomber, là. Attends. Hey, wow! Je peux pas l'appeler? Merde, je suis pas trop loin. Mon pote. Ouais, mais moi je suis capable de casser le jeu, frérot. Ok, bon, on va là-bas. On va là-bas, les reilles. Désolé, elle sera pas là pour nous, Titine. On change, même si on ne le voit pas. De l'arbre à la pierre, en passant par le sable. On dirait que vous chiez, les frères. Sauvage puis docile. Même toi, tu vas changer. Je vois un visage amical. Quel bonheur. Approche. Et donc, vous avez quoi pour moi, les frères? Tu sais que je plaisantais tout à l'heure, hein? Je sais. Je ne t'en veux pas. Ok, bon. Il m'a fait une feinte, il m'a dit « approche » et après... raccroche. Hey, wow! Oh, c'est trop satisfaisant de pouvoir toucher... Aïe! Des trucs en hauteur que tu ne pensais pas pouvoir toucher. Oh là 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 là. Viens ici, Titine! C'est trop loin pour elle. Non! J'ai tenté de casser le jeu, les reilles. Salut! Ça raconte quoi, les gars? C'est qui que je viens voir? C'est quelqu'un dans une tente? On dirait bien que c'est ça.
Mais c'est par où l'entrée de la tente, frère? Elle fait 4 km. Oh! Hey! Ah! Wow! Elle est énorme! Oui! Aussi fluide qu'une rivière. Ils se complètent même lorsqu'ils s'affrontent. C'est qui parle? Les plaisirs de la... Ah bah c'était là! Notre peuple a le sang chaud, mais le cœur grand. Partout où vont les accros, nous les suivons. Et quand ils se reposent? Nous enseignons notre danse à la terre, notre chant et nos rires à l'air ambiant. Ok. Na'vi. Suivre. J'aurais aimé être aussi brave et robuste que ton peuple. Alors tu vas devoir boire plus de lait de Zakro. Il est bouilli, caillé avec du chardon, puis nous le laissons reposer avec des feuilles séchées. Et avec le petit lait, nous faisons du zanké, la boisson qui illumine nos fêtes. Nos fesses, on raconte que les accros sont des pierres transformées en animaux. Depuis que le premier accro nous a offert le refuge, nous ne sommes que joie et musique. J'ai une surprise pour toi. Mais il nous faut une gourde de lait de accro frais. Akorai devrait avoir ça. Akorai. C'est un mec... qui vit sous l'eau, c'est du corail. Ok. Quelque chose de l'autre côté. Ça fait partie de ta surprise. Prends ton temps et va à la rencontre des Essois. Nos intrépides cavaliers sont célèbres par-delà les plaines. Et il y a quelqu'un à la nurserie qui a hâte de te rencontrer. Tu m'intrigues, mon ref. Qui est-ce? Hop, 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 hop. Ouais, du coup, les cheats, c'est bien, mais quand t'es dans des phases comme ça, frère, tu te déplaces trop vite pour les persos et c'est un peu frustrant. Du coup, c'est pour ça, des fois, vous en... Oh, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Des fois, on entend des... C'est moi qui est en train de régler le mode, en fait. Régler le cheat. Alors, c'est par où, mon petit pote? Il y a 2 secondes, je l'avais... Ah, il y a 3 trucs. Mais dis donc, il y a beaucoup de monde à qui je dois parler. Ton Equidius a l'air si fort. Ton? Tu parles comme ceux qui viennent du ciel. Les créatures sont des objets pour eux. Mais elles ne sont à personne. Je sais. Elles sont libres. Aussi libres que nous. Chacune est unique. Comme toi ou moi, celles-ci aiment la compagnie des Aklous. Leur tranquillité l'apaise. Tu sais monter? Je m'entraîne un peu. Tu devrais faire mieux si tu veux apprendre nos coutumes. Les Equidius sont importants pour mon peuple. Ils transportent nos tentes. Ils chassent avec nous. Ils combattent à nos côtés. Et vos oncles. Ils chargent avec nous. Nos cris de guerre résonnent dans les plaines. Parce que les tentes... Et glacent les cœurs de nos ennemis. Bref. Ne t'inquiète pas, Sarento. Ce ne sont que des histoires de l'époque où se battre était nécessaire. Cette époque n'est peut-être pas révolue. Dans ce cas, nous serons prêtes. Elle et moi. Il est mignon. Il est mignon. Mais je peux le caresser ou pas, moi? Mais je veux le caresser! Ouais! Oh, regarde-moi ça! It's a big elephant! Il est trop mignon! Elle s'appelle Coacté. Elle fait comme les adultes. Vous avez construit votre maison autour d'eux. Ils doivent avoir le sommeil profond. Ça, c'est un bébé. Ils ne font pas que dormir. Ils se nourrissent. Mais un jour, ils se réveilleront et partiront. À la recherche d'une terre fraîche. Ce jour-là, nous les suivrons. Vous êtes des nomades. Comme mon clan. Enfin, autrefois. Ma mère m'a dit qu'un jour, elle avait appris à un Starentu à brosser la crinière d'un Zakro. Mais il a trébuché et il est tombé dans la cuve de lait. Mais chaque fois qu'il venait, on hissait les cerfs-volants de la fête. Tout le monde se réunissait, dansait, buvait du zanké. Ton clan était très apprécié. Et te voilà parmi nous. Nous allons célébrer à nouveau. Tu as capté, le sein. Est-ce que je peux la caresser avec toi, mon gajo? Mon gajo. Qu'ils se sont battus contre Voilà. Je ne sais pas si... j'avais pas vu.
J'avais pas vu. Un Zakrou. Un gentil géant apprécié par les... Oh, c'est trop mignon, gentil géant. Apprécié par les Essois pour son lait et son abri naturel. Subhanallah. Et ça? Ça dit pas? Et on sait que t'es le bébé, frère. Fais pas genre. Donc t'es un Zakrou bébé. T'es un Zakrou bébé. Ouah! C'est eux, là! Voilà, Saint-Géry. Zakrou. Ouah, il est là! Mais j'avais pas capté, moi, depuis tout à l'heure. Je volais, je virevoltais. Ça se trouve, j'ai atterri dessus sans faire exprès. Ils sont énormissimes. Énormissimes. Wow. J'aime pas... Wow, frère. Mais déjà, les avatars, ils sont grands. Notre Sarentu. Enfin, les avatars. Les... On parle beaucoup de toi. Les Na'vi. En bien, et j'espère. Les autres. On dit juste que tu t'entraînes à l'art de la guerre. Mais rien de croustillant. J'ai rencontré Kin. Il m'a demandé de trouver du lait. Ah, Kin. Ces plaisanteries faisaient la joie de notre clan. Mais il n'est plus le même depuis que Sosul est parti. Tiens, du lait frais, offert gracieusement par les Zakrou. La base de notre force. Sosul, il est parti. Qui est Sosul? Sosul. Sosul King. C'est le compagnon de boisson de Kin. Hein? Tu n'es pas au courant? Ah, Sosul et boisson de Kin. Il est devenu le porteur du fardeau. Sosul Kin. Il a quitté le clan. C'est ce que j'ai dit. Pour toujours. Pour porter ce lourd poids sur son dos. Ça doit être très difficile de quitter tout ce qu'on aime. C'est un triste honneur. Mais il a emporté nos fardeaux pour que nous puissions voyager légers. Grâce à Sosul, nous pouvons suivre les Zakrou. Ouais. Bizarre cette histoire de Sosul King. Sosul King. Ouais, j'ai cru ça aussi, c'était un éléphant. J'ai dit, frère, c'est quoi ça là? Ouais, non, c'est des éléphants à la base, les frères. Après, ils sont devenus comme ça. Ouais, il est mignon. T'es mal à taille de l'œil, mon ref. Qu'est-ce que tu regardes, j'ai dit. Je suis transformé en Hagar en 2 secondes, les frères. Traverser le ruisseau au nord du cercle pour retrouver Kin. C'est où? Oh là là, mais Tima. Non. Ça y est, arrêtez maintenant. Arrêtez cette mascarade. Oh mon Dieu, mais ça fait partie de la map. Parce que là, je me disais, mes frères, il y a des limites en fait après. Eh ben non. Ça continue, Tima, la map, c'est jusque là-bas. Wesh. Mais la map, elle est géante. C'est énorme. Je suis vraiment très choqué. Du coup là je peux rien appeler, frère, pour qu'il me transporte. Je vais aller à pied. Même pas appeler un Uber truc là. On me dit que tu l'as fait, mon petit ref. Elle en fait un peu trop, c'est bon. C'était pas aussi haut. Frère, là je fais des sauts de 40 mètres, j'ai l'impression. C'est énorme. Ou plus. Je te jure, c'est sûrement plus. Ah, le lait. Juste à temps pour ta surprise. Vas-y, verse-le. Wesh. Comment il a parlé? Le lait. Ouais. Wesh, cet angle, il est bizarre, j'aime pas. Comment voilà. Il s'appelle? Basouk. Ça veut dire baie. Comme celle-ci. Ce sont ses préférés. C'est des myrtilles, frère. Passons. Ah, pas du tout, c'est... Ça n'a pas l'air très bon. On dirait une mini aubergine. Ils ne sont pas pour manger, mais pour qu'ils se sentent beaux. Hein? Regarde. Il va le peindre, il va lui faire un graffiti. Ah, waouh! Ah, mais celui-là, il est énorme! Plus que les autres, non? Il s'est réveillé pour toi. Vous êtes amis maintenant. Un
Zakru n'oublie jamais ses amis. Ouais, là, il vient de péter, là, mon ref. Là, là, je sens le P du réveil, là. Ça sent fort, hein. Ça sent fort, mon pote. Ah ouais, je sais pas ce que t'as mangé la veille, mais je le sens, ma petite gueule. Ok. C'est incroyable. Oh, mais... Vous avez entendu? Ça veut dire que les sœurs sont de retour. Il est trop beau. Sortons le fromage et le zanke. Nous boirons au retour des Sarento. Ok. Quelqu'un doit hisser les cerfs-volants de la fête. C'est un honneur qui revenait souvent à ton peuple. Cela donnera le signal à tout le monde. Je me dis dinguerie. Imagine, tu tires sur l'un d'entre eux. Ils se retournent tous contre Watt. C'est 6 étoiles. T'as GTA, mais sur toute l'ampleur de la map. T'auras plus jamais une seconde tranquille. C'est trop loin pour elle. Mais ouais, je pourrais venir, frère. C'est n'importe quoi. Hop, 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 hop. Alors, quelle est la prochaine quête? Par curiosité, dis ça comme ça, mon ref. Alors, les chasseurs chassés. Ok. Ça se trouve un peu loin, cette histoire, ou... Ah, je pense que c'est à côté, en vérité. Oui, c'est à côté, mais j'ai pas mal joué pour cet épisode, le Rey. Du coup, c'est la fin! Si vous avez vraiment kiffé, vous me faites savoir. Mais en tout cas, vous le savez. Vous savez déjà ce que j'en pense du jeu. C'est le deuxième épisode. Mais bon, l'épisode, j'avoue, il est costaud. Mais malgré tout, j'ai beaucoup kiffé. Voilà, et je me verrai rejouer au jeu. Parce qu'il y a encore d'autres armes à choper. Il y a peut-être moyen de kiffer plus. Il y a les compétences des anciens, là. Des ancêtres. Je sais même pas encore ce que c'est les autres. Tu vois ce que je veux dire? Regarde. Parce qu'on a accès qu'à ceci. Et je sais pas si on peut voir. Ah, ça, on peut voir un peu. Ah, ouais. Ah, tu vois, il y a des trucs pour être furtif. Et des trucs pour gagner des faveurs de clan. Ça, je sais pas ce que c'est, mais. Oh! C'est quoi ce bordel? Ah, ça veut dire là, tu peux déstabiliser des ennemis. Oh, pardon! Oh là là! Désolé, j'avais ma tête là, du coup. Ah ouais! Et ça, c'est quoi? Ah là, ça peut te montrer les rondes qu'ils vont faire, en fait, les ennemis. Pff, stylé sa mère. Et ça, c'est quoi? Oh! Mais non, me dis pas, on pourra faire des attaques avec ça. Hein? Attaquer et désorienter de petits ennemis en émettant un cri strident. Il peut faire un cri et du coup, ça désoriente les avions Terrum. Oh! Wesh, non, là, vous forcez. Du coup, il y a des trucs là. Un, deux. Bah là, je vois pas ce que c'est, tu vois, ce truc-là. Mais je sais pas si on aura d'autres. Ah non, il y en a 12, donc c'est tout ce qu'il y a. Mais bref. C'est quand même bien. Je suis très satisfait de ce jeu pour l'instant. Vraiment, je sais pas pourquoi je prends cette voix, mais bref. Si vous avez kiffé. Bon, ça nous fait une vidéo. Peace. Hey, ouais.